Mira. Oh. Vous vous êtes... Il s'est passé ce qui s'est passé, hein. Vous avez Golo Golo dans la case. Enfin. Ah, tu l'as pulvérisé le pauvre, hein. Aïe. S'en souvient. Il va s'en souvenir, hein, fort, hein. Tu vas le retrouver dans un, aussi, coin, hein. Dans un coin d'hôtel comme ça. Je veux ma maman, je veux ma maman, tu vois. Non, tu vois, il allonge à côté de toi, tu vois qu'il... T'as été bestial avec lui, tu vois qu'il a des griffures, tu l'as mordu partout presque. Il a des griffures là, là, dans le dos. Tu vois, tu l'as mordu là et tout, tu vois. Tu vois qu'il... il a souffert, hein. Il a souffert, hein, tu... Ouah, tu vois, il est à poil, tu vois son cul, tu vois. Tu vois que même sur son cul, il y a deux morsures. Tout à fait. Tu vois que... Fais-moi une exaltation. Oh là là. C'est vrai que ça m'a peut-être donné soif sous ça. Qu'elle va réussir. On sera dans le prochain épisode de... Non, non, c'est bon, tu réussis. Donc, t'as pas plus soif que ça. Mais, tu sais, c'est bizarre. Tu sais, tu te sens bien. Tu sais, tu... Oui, je pense. Tu vois, t'es fou. Et t'es à poil. Bah oui. T'es à poil. Tu vois l'état de la chambre. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. En fait, tu vois que... Comment il s'appelle T'as Pierre. Pierre, en fait, il est par terre. T'as la baignoire qui est sur lui. T'es à l'envers. Tu vois. Il y a juste le bas de son corps qui dépasse. D'accord. T'as le lavabo, il est encastré dans le plafond. T'as le lit, pourtant c'est un lit de place gigantesque. Tu sais pas comment il a fait, il est dans la salle de bain. Tu vois. Tu sais pas comment il a fait pour entrer, mais il est rentré. La lampe, tu sais pas pour la magie, mais tu vois, la lampe, il y a juste un fil. Comme ça. Avec l'ampoule. Ouais, comme ça, tu vois, la lampe elle est comme ça. Il n'y a plus rien autour. Mais elle est là. Mais le tapis, la moquette, elle est sur le plafond. Ça ne veut rien dire. D'accord. Et tu te réveilles et tu vois qu'il est là, t'entends juste un... Il est quelle heure du coup? Là il est à peu près 19h, 18-19h. D'accord, début de soirée. Ça va? J'ai soulevé la baignoire. Ah, tu vois que tu le soulèves. Tu vois, tu lui as mis quelques patates dans la gueule aussi quand même. Putain. Là, tu sais, il s'y saigne un peu de la... En fait, tu vois, c'est un peu croûté, tu vois, mais tu sais, il a un peu c'est la bouche du nez. Tu vois qu'il te regarde et il dit, attends, une pause. Ah oui, oui, non, t'inquiète pas, pause. Tu vois qu'il est là, tu sais, il se redresse. Oh putain, tu m'as violé. Comment tu as pu faire ça à moi? Tu m'as enlevé mon innocence. Bien sûr. J'ai besoin de me remettre en question. Je vais te croire. Putain, tu m'as éclaté la gueule. Oui, ben, pareillement, je pense. Ouais, mais tu vois que, ouais, tu vois qu'il est pas bien, tu vois. Tu vois qu'il a, il a des côtes cassées et tout, tu vois. Ah, tu le vois, il fait. Oh aïe, aïe. Je reviens. Et tu vois qu'il. Aïe. Il s'échoue. Bah attends, je vais aller trouver un calice et lui rapporter, hein. T'es dans un hôtel là. Ouais, mais je vais dehors, je suis mort et... Karasu, c'est qui le prince maintenant? Boum. Non, ou alors room service, enfin qui mange, quoi. Ouais, mange tu peux appeler le room service, ouais, le room service, hein, tu appelles le room service. on va se rhabiller vite fait quand même. Donc c'est quoi, t'attends qu'il y a quelqu'un qui vient ou vous vous barrez? J'hésite. Je sais pas s'il en est un en fait. Ouais, il peut marcher, tu vois, mais tu sais, il est un peu comme s'il était un peu bleu épave, tu vois. Ouais, bah, je vais lui demander s'il veut qu'on aille chez lui. Peut-être qu'il a du sang là-bas. Ouais, non, viens, on va aller ici. C'est à côté. Ouais, c'est bon. Tu vois qu'il marche, il boite à peu près de la même façon que Anthos. Oh, tu vois qu'il boite. C'est mon move. Ouais, c'est ton finish ça. C'est mon move signature. Tu vois qu'il. Non mais Pierre, il faut que je te trouve du sang là, tu sais pas comment on chasse. Tu vois qu'il fait comme ça. Tu vois sur ta bouche. Tu parles trop fort. Putain.
tu vois que il sort à poil, hein. Ah, à poil, ah oui, d'accord. Moi aussi, ah, du coup. Il a, bah, y a des peignoirs, tout ça, machin, mais tes habits, tu les as déchiquetés. Ses habits, tu les as déchiquetés aussi. Hein. Bah moi, si, non, mais je prends un peignoir et j'essaie de le rattraper avec. Ah, tu vois qu'il est dans les couloirs. Tu vois qu'il y a, il y a une nana qui passe à côté, tu vois, tu sais, qui le regarde en mode. Tu vois. Voilà, bah, elle me voit derrière avec un peignoir. T'es ouf. Tu vois qu'elle te regarde, elle te... Elle te regarde un peu genre en mode... N'inquiétez pas. non mais en plus, oui, non, il faut que j'aille payer la réception, il y a plein de trucs à faire. Oh putain, ouais, Dieu. Oh, ouais, je prends les escaliers. Ben ouais, moi avec ma rapidité, je peux pas prendre les escaliers plus vite et... que lui. Ouais, tu peux, ouais. S'il y a personne. Fais-moi, j'ai des résolutions vigilance. Difficulté 2. Bah, t'as à peu près 5 étages à descendre. Non, 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 attends, non, fais pas ça. Juste moi, lance-moi un des 10. Lance-moi un des 10. Si tu fais pair, il y a quelqu'un. Si y a, tu fais impair, il y a personne. Bah, il y a personne. Ok, bah, rapidité, je vais le plus vite possible en bas. Ok, ouais, pas besoin de faire de G. Hein. Y a personne, y a pas de truc. Donc, tu vois que tu. T'arrives en bas. Nickel, hein, tu vois. Et t'entends un. Eh merde! Oh non! Et d'un coup t'entends. Et tu vois qu'il s'écrase à côté de toi. C'est vrai? Ouais. Et t'entends juste un. C'était plus rapide comme ça! Mais non, mais toi tu aurais pu prendre ton temps. La flemme! Bah j'ai aidé à se relever. Tu vois qu'il te fait. Vas-y, va payer, laisse-moi ici, faut que je réfléchisse un peu. Oh putain. Bah je vais aller à la réception et. Et dire qu'il y a quelques dégâts à ma chambre et que je me m'engage à les réparer. T'arrives à justement, t'arrives à la réception. T'es accueilli un peu par le directeur, hein, qui te regarde en mode. Vous êtes des rockstars ou quoi là? Désolé pour le dérangement. Pour le dérangement. Vous êtes au courant que vous avez dévasté un étage? Je suis vraiment arrivé. Vous inquiétez pas, je vais payer pour tout. Enfin, faites venir quelqu'un demain et envoyez-moi le devis. Non. Ah bon. Non, c'est. Va falloir nous laisser vos coordonnées en fait. Mm-hmm. Oui, mais ça, y'a pas de problème. Voilà, hein, on va vous demander vos coordonnées bancaires aussi. Car on va vous prélever automatiquement dessus. Hein. Ce que vous avez fait en 15 ans de métier, la première fois que je vois ça. Bon, je vais essayer de faire. Tu vois, il parle à son collègue, t'es, ils sont deux quoi, ils sont dévastés. Tellement on avait reçu Aerosmith, ils avaient fait presque pareil, mais eux là. Putain, vous êtes saoulants, hein. Désolé, bah je donne ma carte bleue, ils prennent l'empreinte, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois quoi, ils bipent tout ça, machin, hein. Tu vas être prélevé, hein. De chiffres considérés entre 150 et 300 000. Hein. Ça valait le coup. Ah, ça valait le coup, il m'a éclaté la gueule. C'est génial. Moi aussi, je marche plus droit. Près d'un petit studio, mais. Et tu vois qu'il il pousse la porte et tu le vois, il est en train de ramper. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui passe à côté. Je peux vous aider, monsieur? Chut. Bah, je vais l'aider. Je le remets sur ses pieds. On va se poser dans le taxi. Tu vois que. En peignoir. Il... Mais d'ailleurs, j'ai pas envie d'aller en lithium en peignoir, moi. Je vais lui dire, tu veux pas qu'on aille mettre des freins? Acheter des freins? Non, 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 j'y veux pas. En plus, c'est fou. La route. Trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit. Je m'as pété la gueule. Putain, tu m'as dévirgé, je suis sûr que je vais mourir. C'est bon. Sinon, on est déjà mort, mais. Moi, j'aurais bien m'acheter des freins quand même. Surtout que c'est la soirée ce soir. Je suis à poil en peignoir et c'est la soirée. D'accord. Non, mais je vais le mettre dans. Non, mais j'ai pas envie de laisser seul. Il va se retrouver je sais pas où sur la scène. C'est clair. Non, j'ai envie qu'il aille à l'Elysium, puisqu'à la rigueur il sera plus en sécurité là-bas. Je vais lui dire ben, d'aller à l'Elysium, de boire du sang, de se reposer. Ils m'attendront pas si t'es pas là. Oh putain. Ok, je peux appeler un magasin de luxe? Bah ouais, tu vas trouver facilement avec ton portable, ouais, y'a. Qui me livre. Plusieurs robes. Délivre où?
J'avoue. Bah après, voilà, c'est. Disons que les vêtements comme ça, ils livrent pas, quoi. À part si c'est chez toi directement. Après, c'est... ça dépend des commandes aussi, tu vois. Généralement, si, si tu m'avais dit Uber Eats, truc comme ça, de la boue, je t'aurais dit ouais, mais là, c'est. Vous pouvez me faire livrer un costard? Tu m'as pris pour Uber Eats ou quoi? Putain. J'ai pas envie d'aller les yeux en peignoir. Je te rassure, t'as de l'argent, t'es dans un hôtel, 5 étoiles. Oui. Quand je dis ça, je dis rien. Mais il y a des magasins? Oui, ils ont des boutiques, ils restent. Trucs de l'eau. Ils ont des trucs, ouais. Bah, je go à des trucs et puis je vais acheter un truc à Pierre aussi. Donc, ouais, par contre, à l'hôtel, les prix. Ouh, ça grimpe pire. Faisons-nous plaisir. Ah, j'ai toujours la montre d'ailleurs, j'ai récupéré la montre de. Quand même, dans tous ces débris. La montre? Oui. C'est ça qui est bizarre, c'est que tu sais pas où elle est. Elle était pas dans la chambre? Bah si, mais après dévastation, tu vois, l'ouragan Katrina qui est passé là. Tu peux pas chercher? Bah là, t'es à rez-de-chaussée? Bah je... vais acheter des fringues, je les donne à Pierre et je vais retourner chercher. Ok. Tu vois qu'il est là, il parle au mec, ah vas-y habille-moi, je veux être un bébé. Tu vois qu'il est, mais monsieur, mais je ne peux pas faire... Chut! Elle a payé ta gueule. Ouais, faites ce qu'il dit parce que... Tu vois qu'il te regarde, il dit mais... c'est pas mon... Je paye travail. Plus, je paierai plus. À peu près. Tu vois que le mec, il... C'est 6 mois, si j'avais tout cet argent là, je... Et tu vois que le mec, il dit ah ouais, les pieds, vas-y, caresse-moi le pied. Tu vois, quand toi, t'es en train de parler, t'entends ça au loin. Donc tu remontes. Fais-moi un jet de résolution vigilance ou investigation. Difficulté. Tu mets en vigilance. La difficulté. On va mettre difficulté 4. Ah putain. Voilà. Pas loin. Pas... Oh putain. C'est dommage, j'ai le 9 et le 10. Si t'avais fait 10-10, t'aurais fait un critique direct. Donc tu cherches, tu retournes, tout ça, machin. Bah en fait, c'est pas que tu la trouves pas. C'est que ça va te prendre beaucoup, ça va te prendre du temps. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas mais plus de temps que tu pensais, tu vois. Tu pensais la trouver en 10-15 minutes, mais ça fait à peu près 20-30 minutes que tu es en train de la chercher, quoi. Et bah tu te rends compte qu'elle est morte, elle est bousillée. Elle est, mais il y a plus rien dedans, il y a plus rien, c'est, tu vois tout le snibi mécanisme, il y a plus rien. Ok, bon bah ça servait à rien. Super, j'ai acheté pour rien, ma vie c'est de la merde. Bah chercher, acheter tout. Bon bah je retourne voir Pierre. Hein. Ah tu retournes le voir, tu vois que le mec il essaye de lui enfiler son pantalon, tu vois que Pierre il est affable, on dirait un légume. Le si il est trop KO, moi je l'amène pas à l'édition dans cet état. On va encore dire. Il est pas KO technique, mais ouais il est dans le gaz profond quoi. Tu sais pas ce qu'elle lui a fait ta bête, mais waouh, elle lui a pris de la puissance, hein. Elle lui a aspiré la puissance. Je l'ai cassé, c'est ça. Merde. Mais je vais leur demander, t'es sûr que t'es en forme pour aller à l'Elysium? Tu veux pas aller chez toi? Ouais, fais comme tu veux. Tu vois qu'il se relève, il commence à s'habiller, tu sais, un peu tout seul. Comme un gamin, tu vois, qui met la chemise, rien qui va, il la met à l'envers. Le costume, tu vois, qu'il le met par devant, et si c'est bon, je suis habillé, j'y vais. Oh putain. Non, mais je le regarde avec moi dans cet état, je sais pas où il va finir. Comme tu veux. Tu vois qu'il va vers les portes tournantes, là. C'est rigolo parce que tu vois son cerveau il est un peu... Il reste dedans et il tourne. Bah je prends un moment avec lui et je le prends par le bras et on sort. Ok, tu vois qu'il dit mais attends, je voulais rester encore un peu, c'est rigolo. Tu vas avoir le mal de mer. Ah non, y a pas de mer ici. Non bah il va venir avec moi à l'Elysium du coup. Ok, donc tu vas à l'Elysium. Il y a encore des gens ou il y a plus personne? Comment ça, il y a plus personne? Je sais pas s'il y a encore des... Après, qu'il y ait deux cadavres au milieu de la salle, je sais pas si les gens sont restés. Ah, l'Elysium, tu parles? Oui.
Non, non, il y a des gens, hein. Les cadavres ont été ramassés, tout ça. Hein. C'est la nuit, enfin la nuit reprend son cours, quoi. Ouais. C'est juste que quand t'arrives, ouais, tu. Il y a un silence de mort qui s'installe. Mm-hmm. On a du sang à l'Elysium, hein, pour moi, on avait dit. Mm-hmm. Bah, je vais en demander pour moi, le donner à Pierre. Malheureusement, tu sais pas où il est en fait ce sang. À chaque fois, on te l'a apporté. Mais il n'y a pas quelqu'un que je reconnais qui me l'avait déjà apporté. La seule fois qu'on te l'a apporté, c'était Anthos et là le Sénéchal. Sauf qu'Anthos n'est pas là et le Sénéchal il dort profond. Profond longtemps. Profond. Tout à fait. Il y a des domestiques à l'Elysium? Non, c'est que des vampires. Ouais. Ouais. Pas de calice dans le. Pas de calice, il y a que les ghouls qui peuvent rentrer, qui sont autorisés. S'ils ont autorisation de rentrer. Non, c'est que des vampires. Mm. Parce que là, s'il y a un calice qui rentre et qu'il y a un mec qui pète un boulard, il va se faire attraper, il va se faire déchiqueter, quoi. Je vais demander à Pierre pourquoi il voulait aller à l'Elysium. Parce que t'as dit que t'allais faire de moi ton sénéchal si je t'ai pété le cul. Ah, c'est ça que t'as compris. Ah, c'est ce que tu m'as dit, hein. Ah, c'est ce que j'ai dit. Tu m'as dit mot pour mot, défonce-moi le cul et tu deviens mon sénéchal. Ah, j'ai tout donné. Putain, je sais pas s'il y a vérité en vrai. C'est peut-être ta bête qui a parlé, toi tu t'en rappelles pas de ça. Oui. Et tu veux pas être dans un meilleur état pour que je l'annonce? Non. Je vais rester là 5 minutes. De toute façon, il peut rien m'arriver ici. Tu vois qu'il s'allonge par terre. Ah, c'est frais. Tu vois que les gens là le regardent, puis ils te regardent. Ouais, non, mais en plus ça me fait une bonne pub, quoi. Puis il y a plus personne qui, j'ai plus personne à qui donner des ordres en plus. Putain. Après il y a des gens encore là, ils sont à peu près, il y a presque personne, hein. Il y a peut-être 2-3 personnes. Vous reconnaissez quelqu'un? Pas la Sénéchal Thorador, non. Non. Ah non, la Sénéchal Thorador, elle est en train de péter les plombs la soirée. Ouais. Sinon, je vais le laisser là. Avec instruction à la première personne que je vois de garder un œil sur lui. Très bien, Prince. C'est qui? C'est une femme, une blonde. Est-ce que j'ai son... j'ai une image pour elle? Non, j'ai pas d'image. Bah oui, j'ai quitté les yeux si. C'est mort, mais je sais pas. Ah si. Comment il faut? Mon bébé. On t'a eu qui dit. Très bien. Putain. C'est la merde. C'est la merde noire. C'est la merde. Ouais. Bah reprends Noah sinon. Ok. Noah, de ton côté, est-ce que tu as des questions? Des questions? Ah oui, j'ai plein de questions. Mm-hmm. Donc tu vois, le... toi t'es toujours la veille avec le primogène Bruja qui est là. Mmh. Il fait... Et du coup, si je... Est-ce qu'il y a des territoires que je devrais pas violer à Paris, histoire de pas déclencher une guerre, on va dire? Tu peux aller où bon te semble, mais faut que tu... Petit pipi, je reviens, désolé. Vous me faites un résumé? Au niveau du primogène de qui gère la zone? Non, au niveau de la coterie qui gère cette zone. Donc si je reste sur Paris, c'est bon en fait. Ouais. Par exemple, si tu vas dans un hôpital, ça peut appartenir à quelqu'un. Et donc là, il faut que tu ailles te présenter. Si tu te présentes pas, ça pourrait être considéré comme une violation, il pourrait te tuer. D'accord. Très bien. Oui. Ok, très bien. Si je dois... Si j'ai des informations, je viens vous les dire à vous directement ou je viens les présenter à Alice avant? Quoi? Ah, si je dois dire des trucs, si j'apprends des trucs sur... par rapport au... T'appelles Alice. D'accord. Et du coup, vu qu'on ne peut pas chasser dans les rues de Paris,
Et que bah vous c'est Alice qui vous ramène du sang. Comment je peux faire pour trouver du sang? Est-ce qu'il y a une banque de sang pour sur Paris qui est attitrée à ça ou autre Oui, bien sûr, ça s'appelle. Tu connais les restos du cul? Non, voilà. Non, mais on t'a dit de pas chasser ouais, y a plus personne. Dans les rues Putain, de Paris. En fait. T'as pas dit de pas chasser dans Paris. Oui, j'avoue, Akane, t'as raison. Donc quand tu chasses, tu fais ça discrètement, je sais pas, Putain. Tu t'isoles. Mais là, c'est la fête, donc je peux au même pire, pas. C'est quoi? Tu vas payer une pute au bois de Boulogne l'annoncer, là-bas. En soi, si. Tu vas faire genre ton si affaire, et puis dès que t'es séparé dans les bois, tu la bois. Et voilà. Ok, ça marche. Par contre, c'est compliqué du coup. Brusa, je préférais l'avoir aussi. J'ai rencontré une femme cette soirée. Ce soir où j'ai. Pour moi, avoir mes informations par rapport au. Par rapport au primo. C'est les ventrus. C'est ça, bah ouais. Une vampire qui avait un coffre ouvert et qui réclamait de l'argent à un autre vampire. Une grande brune avec des cheveux longs. Ça vous dit quelque chose? Avec quoi comme voiture? Une ancienne voiture, une vieille marque, une voiture style Mustang ou Ford, une vieille Ford américaine. Possible. Si, si, c'est Irene, c'est une brujard qui. Disons qu'elle aime pas trop rester avec. Enfin, pas qu'elle aime pas rester avec nous, c'est que. Disons qu'elle a ses propres intérêts. Elle vend surtout des armes, tout ça, tout ça. D'accord. Je sais pas ce qu'il te disait, parce que je me dis si. C'est une ventrue la meuf, c'est la merde de laisser Pierre là. Ok. Donc je vais peut-être pas partir. Pourquoi t'as eu affaire à elle? Je te déconseille vraiment de lui devoir de l'argent parce que sinon t'es mort. Non, je lui dois une faveur. Tu vois qu'il te regarde? Ouais, toi t'es dans la merde. Oui. Ouais, je m'en doutais un peu, mais bon, j'avais pas le choix si je voulais vraiment retrouver ce primo. Je préfère te prévenir, prépare-toi à payer le truc le plus cher. Elle va tout faire pour rentabiliser cette faveur. Je vais bien croire, j'ai vu qu'elle avait l'air assez dure en affaire, donc. Je vais bien croire que je vais payer cher. Ouais. Et bon. Bah du coup, dernière question. Ouais. Oui, dernière. J'ai l'impression que vous connaissez bien mon primogène. Vous pensez qu'il y a des chances que je puisse réintégrer le clan un jour ou non? Le tien? Oui. Après ce que t'as fait? Oui. Je pense que non, à mon avis c'est mort, mais... Bah, je sais déjà qu'il y a ta... Madame qui arrive. Ta dame qui arrive. Et d'après ce qu'il m'a dit, c'était lui version féminin, il m'a dit. C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est ça, oui. Je préfère te prévenir, on ne te défendra pas contre elle. Oh là là! Je ne vous le demande pas. Mm-hmm. C'est mon affaire, c'est mon clan, c'est mes problèmes. C'est la merde. Avec de la barbe, exactement. C'est ma merde. C'est Broly avec de la barbe. T'as eu un petit G. Il a combien en... Ouais. Advienne que pourra. Bon, ouais, non. Pas trop. Tu vois qu'il réfléchit. Ouais, non, je connais pas trop la culture gangrel. Vous êtes un monde à part, quoi. Je vais pas te laisser avec la Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre en arrivant à Paris. On était un peu différent, un peu. Il faut l'amener hors norme, à Henri et tout, et c'est la merde. Vous êtes. Que vous êtes. Mais bon. C'est bon, t'as plus de questions? Non, j'en ai plus. Ok. Alice, reste pas là, le soleil va se lever. Alice, en fait, tu te rends compte qu'ils sont déjà en train de dormir. Donc tu vois que le primogène, il va attraper leurs deux jambes et les traîner. Pour les mettre dans un coin dans l'ombre. Et lui, tu vois qu'il va partir ailleurs. Et bah, je vais essayer de me trouver un coin dans l'ombre aussi, et dans un ombre pour moi m'endormir. Ok. Je vais pas le dire, espèce de lâche. Direct, hein, ça laisse. Ça sent la ventruse, hein. Ouais, bah je sais pas, moi, tu as pas demandé. Hein. Tu as juste dit, gardez-moi ça, ta gueule. Ça t'a dit, ok. Non, non, bah du coup, non, je vais faire autre chose. Donc, tu fais-tu, hein, t'es encore au. Il est à peu près 20h. Putain. Il veut vraiment être sénéchal. Il t'a dit ça, après, toi tu sais pas si c'est la vérité. Hein. Non, c'est sûr, mais il veut l'être. Tu vois qu'il est. C'est pas qu'il est pas dans un état normal, c'est que. Tu sens qu'il est. Il est dans le cosmos là. Tu sens que son cerveau il réfléchit un peu au ralenti quoi.
Je vais dire que il est pas en état là de ni d'être sénéchal ni de me représenter. Clairement pas là. Voilà. Donc je vais le ramener chez lui et qu'il va boire du sang et qu'il va essayer d'aller mieux. Mais vous ne vouliez pas que je le garde, Prince? Non, ça va aller, je vous remercie, je vais faire autrement. Vous êtes sûr? Oui. Bon, moi je serais ravi de vous rendre ce service. Hein. Et vous êtes? Moi, c'est Magali. De quel clan? Tremer. D'accord. Eh bien, Magali, pouvons échanger nos numéros si vous souhaitez vous rendre utile au prince. Tu vois qu'elle te fait des gros jeux, genre en mode comme si elle était choquée, quoi. Genre, quoi? Le prince veut que je passe son numéro? T'es sûr? Si vous... oui, tout à fait, oui, je suis sûr. Bah, en fait, moi j'étais une nouvelle en ville, donc j'étais venu me présenter, c'est pour ça. Eh ben, bienvenue à vous, Magali. Bienvenue à Paris. Tu vois quel regard? C'est votre sénéchal? Oui. Et il a eu un petit problème, il faut que j'aille le ramener. Et vous allez laisser cet endroit tout seul? Non, je donne. Oh, putain, comment Ah, t'as une voix. T'arrives je derrière une voix que tu reconnais, tu vois, de. Anthos! Non, pas Anthos. Oh! De J'ai ton besoin de toi. précédent sénéchal qui te dit quand vous n'êtes pas là, moi je le suis. C'est une espèce de souvenir qui te revient d'un coup. Ah oui, je sais bien. Mais il est pas en Nepta là. Bah après c'est toi qui veux faire de lui un sénéchal, hein? Mais il veut l'être. Il t'a dit, ouais, tu m'as dit, après maintenant est-ce que c'est la vérité? Peut-être que quand il va retrouver un peu son état normal, peut-être qu'il dira, ah mais non, en fait non, il en a l'air de question. Non, bah tu sais quoi, move d'urgence, je vais prendre le portable de Pierre et appeler le numéro chef. Ok. On t'appelle le chef. Il te répond. Allô? Bonsoir, c'est le prince. Il a fait quoi encore? Non, vous inquiétez pas, il a rien fait, mais j'aurais besoin de vous à l'Elysium. Tout seul? Ouais, ça devrait suffire. Ah, j'arrive. Tu raccroches? Je l'avais invité à la soirée, sauf si c'est mon sénéchal, il pourra pas venir à la soirée. Oui. Ok. Pendant ce temps, Aïe. Noah, Oui. tu te réveilles, fais-moi un jet d'exaltation. Difficulté 14. Allez, tu as soif. Possible ça, toujours soif, quoi. Pas possible, putain, mais mon perso il pue la Il a merde. sucé toutes les prostituées de Paris. De Ah, ouf, mais oui. il va sucer tout Paris, quoi. Allez, hop. Donc tu te réveilles, hein, tu vois qu'il y a certains brujas qui sont déjà au pied levé en train de se casser la gueule. Ils ont fait un espèce de ring où ils sont en train de s'éclater la gueule. Ouais. Tu vois qu'il y a Alice, elle est là avec son téléphone, tout ça machin. Tu vois qu'elle prend des selfies et tout. T'as, comment ça s'appelle, Anthony qui est à côté d'elle. Qui, tu vois, qui c'est un peu, tu vois, ça a un peu régénéré, mais il est toujours dans un sale état. On va faire la soirée du coup. Et tu vois que c'est comme si t'étais Ouais, dans mais le une salle primo, de si j'en fais sport. mon sénéchal, je pensais en fait. Ouais, Lui en genre faire Fight mon Club. sénéchal. Ouais, Pierre, j'en voilà. ferai autre chose Fight s'il veut Club, truc vraiment, de mais. muscu, tu vois, qui. L'autre, il prend des C'est trop parpaings, il soulève comme dangereux, si c'était de la position de merde. sénéchal pour lui, en vrai. D'accord. Tu vois que les gens, ils te regardent. Peut-être qu'il y en a certains qui. Ils te regardent, tu vois, ils te défient un peu, tu vois. Tu vois qu'il y en a un, il te met un coup d'épaule. Ouais, comme il m'a dit le prince, quoi. Ouais, mais Bah, tu vois primo, que en t'as fait, Alice, je elle voudrais te faire mon fait sénéchal. des yeux un peu Comme ça, genre. l'Elysium est pas vide. Tu vois? Et moi, j'ai Mais la c'est pas soirée. faire, ça. Que tu comprends. Je peux pas laisser l'Elysium vide. Malheureusement. Et Bah, Pierre celui qui est met un coup pas en d'épaule, je état, le quoi. remets. Donc, Pierre, j'aimerais en faire autre chose, mais Tu je lui veux pas remets qu'il un coup m'en veuille, d'épaule? tu vois. Ouais. Putain. Donc tu vois Mais je qu'il. fais. Ouais, tu vois, tu lui remets un coup d'épaule, il fait. Hey, tu veux te battre, merdeux? Il y a un ring, ça servait à quelque chose, non? Oh putain, je vais t'enculer. Allez, on y va. Et tu vois qu'il y va, tu sais, il met des espèces de. C'est même pas des gants de boxe, c'est des gants de. Je sais pas trop. Et il va, tu vois qu'il. Des moufles. C'est des moufles. Ok, premier qui touche par terre, c'est fini, ok? Ça marche, pas de soucis. Oh,
Et pff, il fonce. Sauf que. Fais-moi un jet de dextérité. Dextérité ou dextérité bagarre ? Non, juste dextérité. Pour voir qui. Parce que lui, c'est... en fait, c'est qui va agir en premier. Oui, d'accord. Pour l'initiative. Ouais, ok, l'autre il compte. Oh, toi, ok. Bon, c'est bon, je vais pas. Bon, je vais le faire quand même, on sait jamais, dans le doute. Parce qu'il a fait sa célérité lui aussi. Donc il a 4 et 1, 5. Ce qui fait qu'il réussit. Oh, il a 2 succès lui. Donc il réussit. Donc il passe avant toi. Donc il arrive. Et il essaye de te mettre une patate. Donc dextérité. Force bagarre. Donc il a 4. Non, pas des D8. Je vais pas y arriver. Voilà. 4. Hop, tac, tac, tac. Mais non! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà! Ok, maintenant toi aussi, fais-moi un jet de dextérité bagarre. Il a fait 4 succès. Bon courage. C'est fou ça, dès qu'il s'agit de faire la bagarre. Oh, allez! Allez! Eh, toi, t'as envie de te faire casser la gueule, toi. C'est ça. J'avoue. Eh, toi, le 9, toi, t'es en train de. Tu vois le. Bienvenue chez les Brujas, hein. De ouf. Ouais. Tu vois que t'arrives, tu pars, tu vois, mais. Eh, il t'a mis une patate. T'as senti les os là de ton bras qui a. Oh putain, ça fait mal, tu vois. Donc tu vois qu'il frappe pas pour faire mal, genre tu sais vraiment pour te briser, tu vois. Mais tu sens que il a mis une bonne patate dans le bras, tu vois. Oh, tu vois. Ça m'a un peu engourdi le bras, quoi. C'est, bah, c'est ça. Musique, quoi. C'est allez, on va s'amuser. Voilà, quoi. Donc là, c'est à toi. Donc bagarre force cette fois-ci. Ça. Force bagarre, ouais. Si, pareil. Vérité, bagarre. Non, oh non. Allez, c'est parti. L'autre il va lui arracher la tête. Ah, ça y est, tu devrais arrêter le jeu. T'es... Bah, Little Pony, c'est bien aussi. Hein. Je pense. Est-ce qu'il peut se défendre? Il a fait un succès. En plus, il a mis un critique dans la bouche. Succès critique, échec bestial. Donc, t'arrives. Toi, tu te dis, bon, bah, je vais pas lui faire mal, tu vois. Et t'entends juste une petite voix dans ta tête qui te dit moi, si. Je peux pas essayer de faire un jet de volonté pour le réfréner? Fais-moi un jet de frénésie. Non, oui, volonté, pardon. Qu'est-ce que je raconte, mon frénésie? Je suis un con ou quoi? Tu peux la réfréner, mais tu sais que là, en fait, tu vas t'arrêter net. Tu vois, tu vas pas. Tu sais, tu vas juste faire. Tu vois, et te mettre comme ça. Sauf que lui, quand tu... là, il arrive. Ce qui fait qu'en fait, tu vas devoir sauter ton tour. Est-ce que je vais sauter mon tour parce que là, ça, je vais le buter. Je vais lui mettre un coup, il va finir dans le mur et je vais lui faire mal. J'ai pas envie de foutre la merde dans. Lui il teste, ouais super, il a fait un succès. Bon ben pareil, fait dextérité bagarre. Il a fait un succès le mec. Il a fait un jet minable. J'utilise pas après, j'utilise pas ses disciplines parce que sinon ça deviendrait n'importe quoi. Ok, un succès. Donc voilà, tu vois que t'arrives à le parer. Hop, tu peux le frapper. Oh ce combat de Golio quoi. C'est les mecs. Tiens. Oh la allez. Il s'énerve. Et maintenant ça a poussé avec chaque bestial, maintenant c'est triomphe brutal, prochaine étape c'est pied bouche. C'est ça Zolgin. Hop. Ta main avec Pierre c'était violent le sexe, putain. Deux succès, donc ouais non tu lui éclates sa gueule. Oula. Tu vois en fait tu lui mets une balayette mais genre hyper forte. Tu vois que lui il se retrouve comme ça et d'un coup tu lui mets une patate, tu vois sa tête elle fait boum. Tu vois t'entends le boum. Ouais. L'écho du boum. Tu vois que d'un coup il y a un silence total. Ah oui, quand même. Tu vois que le mec il est par terre. Il est pas KO technique, tu vois, mais tu vois qu'il est. Oh putain de merde. D'accord. Tu vois. Je lui tends la main. Et tu vois qu'il y a le primogène à côté. Enfin, à côté, il est dans la même salle que vous. Il te regarde. Et tu vois qu'il te fait. Tu sais, il te fait ça, genre. Ouais, c'est pour ça que je lui tends la main et que je dis on en reste là pour aujourd'hui. Je sais qu'il faut que je boive, sinon je vais. Ça va être. Et ouais, tu vois qu'il te dit ouais. Oh là là, même pas, il est 3h du mat. Putain, tu casses la gueule fort, enculé. Désolé. Tu pourrais presque être là pour la fête. Hein. Ouais, tu vois que ses collègues à côté ils se foutent de sa gueule. Ah bah alors, t'es fait casser la gueule. Ah, ferme-la, toi, putain, enculé. Troisième CG Nechal, hein. Troisième séance en tant que prince, troisième CG Nechal. Donc t'es là, que fais-tu? Bah je descends du ring du coup, hein. J'ai dit on en restait là. Je descends du ring et puis je vais peut-être prendre une veste pour aller pour sortir, pour aller chercher un truc à boire. Pour aller boire quoi, chasser.
Ok, tu vas où pour chasser? J'allais au niveau du bois de Vincennes, c'est ce qu'il y a de plus près de nous. Je vais aller me refaire une petite pute là. Ok. Il me dit ça avec un tel aplomb. J'allais me faire une pute, moi tu vas voir, je vais casser avec eux. Ok. Très bien. Oh, coucou ministry. J'arrive là-bas. T'es gentil. Oh, merci de follow, c'est adorable. Il y en a une qui dit bah, dire, allez bébé, bisous bisous. Bisous bisous. Ouais, bah, go, on va dans la camionnette et puis voilà. Pour te faire un gros bisou. Et donc, tu la bois. Merci. Genre, tu la bois en faisant ta. Toi, t'es chat de gouttière, il me semble, non? Je suis chat de gouttière, ouais. Comment? Est-ce que tu fais chat de gouttière? Ou est-ce que tu fais normal? C'est bagarre. Okay, si je lui défonce la gueule. Là, j'ai pas trop besoin de mes bonus, donc je bois normal. Ok. Tu bois ce qu'il te faut ou tu tapes un peu je de bois temps je bois ce qu'il te faut. Qu'est-ce qu'il me faut? Donc, un point de soif? Ouais. Ok. Mais après tu peux deux, tu vois, mais elle va être un peu chaos technique. Ouais, après, mais elle sera pas morte. Ah, non, elle sera pas morte, mais tu sais que va pas falloir la revoir pendant quelques jours. Ouais, bah je bois les deux alors du coup, histoire que je sois frais pour la soirée. Ok. Jackal, lui, il est plus là. Très bien. Ensuite. Bon, ensuite, je vais... Je sais pas ce que j'ai à faire, peut-être aller au niveau de l'Elysium, voir bah, voir ce qui se passe, quoi, sans plus, quoi, voir au cas où si le prince aurait autre chose à me confier comme mission ou truc. Je vais me promener dans les rues de Paris, quoi, histoire de, aussi de visiter, voir de me repérer des lieux, ce genre de. Ok. Mirabel, de ton côté, t'es à l'Elysium, hein, avec cette femme, cette blonde là, qui te regarde un peu interloquée. Ah oui, non, mais je prends son numéro, puis je la libère, il n'y a pas de souci. Non, moi j'attends le primo, Brescia. Ok. Donc tu l'attends. Il arrive. Vous voulez me parler? Oui, tout à fait. Après, je me gêne, Brescia, est-ce que vous êtes au courant que le Sénissal a perdu la tête? Quoi? Oui, parfaitement. La nuit dernière, malheureusement, il a voulu s'interposer dans une bagarre et le gardien a fait son travail et malheureusement a tué lui et la primogène Malkavienne. Ouais, se battre à l'Elysium, c'est pour ça que je viens pas souvent ici. C'est le risque. Le gardien ne rigole pas. Mmh. Et vous m'avez fait venir pourquoi? Pour savoir si vous auriez les épaules pour... être sénéchal. C'est temps. J'ai failli attendre. Hein. Écoutez, mon premier sénéchal a perdu un bras, le deuxième a perdu la tête. Donc si vous voulez, je préfère vous prévenir. Hein. Je n'hésiterai pas à vous faire à vous casser la gueule. Même ben, que vous soyez prince ou pas. Hein. Je préfère ça, limite. Faites très attention bien à vous. Disons que je suis un petit peu plus dégourdi que les autres. J'espère. Ok. Je présume que je dois garder un droit. Si ça vous embête pas, oui, je vais remettre Pierre chez lui, je pense, vu l'état. Tu vois qu'il regarde Pierre. Espèce de sombre merde là. Il s'est passé, il est. Vous êtes juste. Tu vois qu'il fait, vous avez fait. Et tu vois que donc, oui, il se bloque, genre. Rien. Prince, vous avez quelque chose à me dire? Je suis une échale, il faut que je le sache. Ah bon, il est bien curieux, hein. Oui. Et sachez que d'ailleurs, quiconque le touchera, ce sera considéré comme un affront personnel au prince. Faites pas ça. Pourquoi? Parce que ça va devenir une cible. Ça l'est déjà. Non mais là, s'il y a des gens qui veulent vous atteindre, ça va être lui la cible. Ah mais il y a déjà des gens qui veulent m'atteindre, et c'est déjà dans leur papier. Oui, mais ne le faites pas publiquement. D'accord, bah... Là, il y aura encore plus de gens, et je vais vous défendre, vous, mais si lui, au bout d'un moment, je dois discuter, je dois, comment ça s'appelle, soit protéger vous, soit lui, je vais pas avoir le choix. Hmm. Ça sera lui. Mais alors, non, je rigole, c'est vous. bon, soit, limite, je préfère que ce soit lui, mais qu'est-ce que vous me conseillez? On peut mettre Anthony, peut-être, sur sa protection, entre nous? Non, Anthony, en ce moment, il n'est pas en état. Alors, un autre? Non, je... mais ben non, faites rien, faites rien. Mais c'est qui est sur son dos? Un ordre. L'ordre... Un ordre du Vatican. Quoi? Ouais. Qu'est-ce que vous racontez?
T'avais bu ou quoi? Pourtant non. Genre il va y avoir des moines Shaolin, ils vont venir. Lors de Léopold, ça vous parle? Enfin, j'ai. Bon, c'est pas une flèche, hein, le pauvre. Pour d'autres, il a d'autres qualités. Oh la salope! Ah! J'ai dit, c'est pas une flèche, il a juste 3 dés à jeter, il a fait 7-8-8. Enculé. Tu vois qu'il dit. Déjà entendu, enfin. Je savais pas si ça existait ou pas, mais. Ouais, selon certains, ça serait un ordre. Un peu mystique, d'humain qui chasserait les vampires et tout. Un de leurs membres m'a personnellement menacé et a menacé Pierre également. Et Alice d'ailleurs. Pardon? Pardon? Tu vois que tu vois les ces veines qui commencent à sortir. Il est où? Et ben écoutez, c'est très bien parce que c'était un petit peu le deuxième sujet. En tant que sénéchal, vous serez un petit peu mon héros. En attendant que j'en nomme un. Je peux pas faire ça. Faut que vous élisiez un shérif. Ah putain. Moi je suis. Si je peux pas aller à ma qualité de sénéchal lui casser la gueule. Non, non, juste proclamer une chasse de sang, ça c'est possible. Oui, mais malheureusement, qui est cette personne? Est-ce que vous savez où elle est? Qui c'est? Son nom? J'ai un nom, c'est tout. Et c'est qui? Lieutenant Henri Azena. On peut peut-être demander à Brian, qui est nouvellement un de nos nouveaux vampires, qui le connaît. J'ai pas envie de demander quelque chose aux intrus. Je comprends. Exiger. S'il y a besoin, je. Je suis sénéchal, je suis pas prince. Je peux pas exiger. Je peux porter votre nom et votre message, mais. Si j'exige quelque chose, on peut vite me faire dégager. Mais je le ferai venir. Mais je crois que je vais pas aller à la fête, hein. De toute façon, j'étais pas invité. Si, vous l'étiez. Non. Bah là, c'est. Enfin, là. Primo Toreador a mal fait son travail puisque vous étiez spécifiquement invité avec Pierre. Ah bah. Bah là je peux plus. Voilà, bon bah écoutez, je vais garder cette grosse merde, hein. Putain, tu t'es fait niquer par le prince, espèce de sang propre. Tu vois qu'il commence à se foutre de sa gueule, tu vas l'attraper par les gens. De sa gueule, c'est genre, ah, toi quand tu vas rentrer dans le clan, comment ils vont se foutre de ta gueule, espèce de grosse merde. Donnez-lui du sang aussi, je vais dire. Ah non. Il va prendre comme les Brujas. Il va se relever comme une grosse merde. Et il va courber les chines devant tout le monde. Hein, espèce de grosse merde. Et tu vois que Pierre est en train de mordre le tibia de. Comment ça s'appelle du chef. Ouais, du primo, tu vois. Rentrer, dit, vas-y, éclate-toi. Ouais, je vais dire quand même. Il a un statut spécial. Encore une fois, évitez ça. Oui, mais entre nous deux. Oui, mais même comme ça, ne le dites pas, on sait jamais. Mm-hmm. Par exemple, les trois là-bas, là, on sait pas qui c'est. Non. Et tu vois qu'il dit d'ailleurs, les trois, vous voulez quoi là-bas là? Attends, moi, c'est ouais, les trois qui se regardent, on vient se présenter. Ouais, ben cassez-vous. Paris expéditif pour nouveau sénéchal. Je vais dire très bien. Bah écoute, moi je vais me préparer pour la fête. Bah bonne fête, hein. Ouais. Attends, Saint-Pierre, elle va faire la fête. Alors que toi t'es une grosse merde. Et tu vois que tu il part avec, il le traîne. Et tu sens que le primogène, il est suivi un peu par cette ombre. Hein. Mm. L'ombre, elle est pas derrière lui, mais tu vois juste une. Une très légère ombre sur le sol, tu vois, le suivre. Ouais. Un peu serpente un peu derrière lui. Putain. Bah, en pendant qu'il part, je vais dire Primogène Brujas, faites attention à vous. Hein. Mais je sais, il est derrière moi, je le sens. Ouais, non, mais même en dehors de l'Elysium. Non, tu vois que. Après, tu vois qu'il le met à côté, tu sais, un peu dans une salle au fond. Là. Et il va se reposer là. Eh, grosse merde! T'entends juste un. On peut faire ça trop souvent. Hein. Très. Je porte quoi du coup, moi? Ce que j'ai acheté à l'hôtel, c'était. Bah, t'avais ta robe? Oui, j'ai quand même une robe. Que t'avais mise? Mais qui était déchirée, mais j'avais racheté, tu sais, des trucs à l'hôtel là pour. Ah oui, t'as une robe un peu de soir, c'est chancré, tu sais, avec le grain décolleté comme ça là. Bon, ça va, c'est présentable. Bah, je peux aller voilà. À la fête directement alors. Je peux aller à la fête, ouais. Bon, bah, je vais au Rex. Ok, donc tu vas au Rex. Ouais.
Alors, laissez-moi 2 secondes, le temps que je trouve la musique, parce que celle-là, pour la trouver, je vais me faire le cul. Mais pauvre Bruce. Et, ouf, l'autre, elle me casse mes PNJ, quoi. Bravo. Ah, et l'autre, il a enfin ses il est content. Mais je te dis, c'était plus pour les protéger qu'autre chose, parce que vu comment finissent mes sénéchales... Mais toi, t'es une folle. Toi aussi. En plus, c'est toi qui as donné l'ordre, tu vois. C'est pour ça que l'autre, il a dit, je vais rien dire, parce que tu m'as dit de fermer ma gueule. Et il le savait, hein, que ça allait partir en couille. Mais il y allait. Mais il aurait pu la contraindre, il aurait pu faire quelque chose, quoi. Non, t'as le droit de rien faire dans le lycéum. Pas de discipline, pas de violence, pas de... Tu peux un peu monter, un peu élever la voix, tu vois, genre « Ah, je suis pas d'accord !» Non, mais tu peux la maîtriser sans la tuer aussi, tu vois. Enfin... Non, non. Bah, en fait, elle a utilisé ses disciplines, elle. Ah. Ce qui fait que lui a été obligé, lui aussi, de... Bah oui, il aurait pu la laisser utiliser ses disciplines, également. Ouais, mais non, c'est la règle, il a pas le droit. De plein de primaires. Tant que c'est déjà, s'il laisse faire... Depuis le début. Passe pas. Les gens vont dire ah ouais mais. On va au revoir Nico. Elle oui mais eux non. Enfin nous non. Machin bidule. Et bonjour. C'est des gamins hein. Les vampires c'est des gamins hein. Je vois ça. Donc, j'espère que j'aurai son prénom maintenant que c'est mon sénéchal quand même. Alors est-ce que j'ai la musique? Ok. Ah moi aussi, c'est bon j'ai... là. Elle a pas trop vu. Ah oui. Electro. Oui. Okay. On va mettre ça. Et je sais pas. Donc t'arrives au niveau de la boîte de nuit. Je l'ai faite. Non, je l'ai pas faite. Je pensais pas que ça allait arriver. Et donc t'arrives à la boîte de nuit, donc le Rex, tu vois qu'il y a une queue de malade, tu vois. Branché. Ah de ouf. De ouf, tu vois. T'as un message d'Alice. Mm-hmm. Qui dit tu peux m'avoir une invitation? Bah oui, j'ai le droit à des plus, donc oui. Donc tu envoies ça par message. Elle en veut combien? Tu vois des appels de phare derrière toi. T'es déjà là. Ouais bah qu'elle sorte. Mais ils sont combien par contre? Y'a Ken. Bon, ça va, oui, pas de problème. Avec, tu vois qu'elle est habillée un peu style émo gothique. Mmh. Tu vois, assez classe. Un peu, pas vulgaire, mais un peu sulfureux quand même. Hein. Tu sens que. Elle est un peu en mode, on va dire, un peu en mode salon. Ah ouais. Pour ainsi dire. Ouais. Je vais regarder, je vais dire où est Anthony. Carasso, je t'aimais bien, moi, Nico. Ah mais Nico il est mort à cause de qui? Je pointe pas du doigt. Hein. Elle te dit que... Tout va pas. Ah non, Anthony il dort un peu. Il s'est fait un peu casser la gueule Anthony. Hein. D'accord. Ah je profite de m'incruster avec toi comme ça je vais pouvoir faire plein de photos, j'aurai des followers et tout. Pas de problème belle. Okay, tu vois qu'elle te prend, tu sais, comme ça, là, tu sais, par le bras, là. Très bien. Elle s'est dit, allez, on y va. Eh ben, écoute, j'ai ma cavalière, ça, c'est très bien. Donc, tu vois que vous marchez, tu vois qu'il y a des mecs qui vous sifflent. Il y en a qui vous disent, hey, les filles. Heureusement que nos mecs sont pas là. Hein. Tu vois que, par contre, elle s'arrête. Ah. Tu vois, elle le prend comme ça. La prochaine fois que tu parles mal, je te casse la bouche. Tu vois que le mec, il dit, ça bon, lâche-moi, tu vois. Et où tu vois que tu te barres la queue, elle fait ouais, facile. Ouais, facile, une vingtaine de mètres. Hein. Et donc vous rentrez. Tu vois, le mec direct il te reconnaît. Tu vois, direct il ouvre. Et il referme. Tu vois, le mec devant qui dit allez, mais laisse-moi rentrer et tout, regarde, pompe l'op et tout. Le mec il parle pas à rien quoi. Et il vous laisse rentrer toutes les deux. Oui, voilà, je rentre qu'avec Alice. Et vous rentrez dans la boîte. Ah, dès que tu rentres, hein, ça. T'as cette espèce de style un peu. C'est trop dangereux d'avoir pas trop de vampires au même endroit. Ça, ouais. Mais tu sais, c'est chaud de ouf. C'est. Tu sais, c'est des danses, tu vois, qui. C'est pas à base de twerk, dégueu. Non, là c'est. Tu vois, c'est lancinant, tu vois, ça se frotte, machin, bidule. C'est. Waouh! Tu sens, ça pue le cul, quoi, dans le sens.
Ah ouais, elle a collé au style de son prince, c'est ça. Ah ouais, ça pue le cul, tu vois. Et tu vois que la Toréador, elle te voit. C'est bizarre, mais quand elle pa... tu sais, elle marche et tu vois, ça fait une espèce de forme autour d'elle, comme si déjà se poussait automatiquement dès qu'elle passait. Et elle arrive vers toi. Sa présence. Genre en courant, en disant mais vous êtes en retard et tout, mais où étiez-vous? J'ai été retardé à l'Elysium, je suis navré. Magnifique soirée en tout cas. Tu vois qu'elle te regarde, elle te dit vous êtes très en beauté et vous, vous êtes très habillé. merci. Je vais savoir si vous avez bien invité le primogène Brujas et Pierre, comme je vous l'avais indiqué. Bah, vous m'avez demandé d'inviter les personnes les plus influentes, non? Oui, plus celle-là. C'est pour ça que, Prince, quand je vous ai demandé de me préciser qui il fallait que j'invite. C'était les trois seuls noms que j'ai dit. C'était les trois seuls noms que j'ai dit. J'aurais pu retenir. Disons que 200 personnes, ça va vite. Hein. Très bien, bah, naviguez-moi un peu. Qui est important alors pour vous? Tu vois qu'il y a. Il y a beaucoup de toréadors. Elle a habité tout son clan. Ouais, c'est ça. Non, pas tous, tu vois, pas tous, mais il y en a beaucoup. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas. Non, tu vois qu'il y a. T'as du monde, là du monde. Il y a un peu de tout, tu vois. T'as le primogène Trimer. T'as quelques Malkaviens qui sont là qui dansent, mais chelou, tu vois. Tu sais, il y en a, ils dansent bien, eux ils sont comme ça. Tu vois, ils dansent bizarrement, tu vois, c'est ils dansent des canards et tout. Il y a un peu de tout, quoi. Mais et il y a aussi Brian avec Chris. Ouais, oh. Ah. Ah, voilà, ça y est. Le petit nouveau. Voilà, et t'as des humains. Et t'as la primogène, Toréador, qui dit venez avec moi. Je la suis. Je laisse Alice, hein, si elle veut s'éclater. Ouais, non, tu vois qu'Alice, elle est toute seule. Elle te fait genre chaud bar. Ouais, à plus tard. Et tu vois qu'elle te, elle te prend par la main, tout ça. Machin, tout. Ça aussi, c'est bizarre, tu vois. Tu sais, vous passez, tu vois, et les gens s'enlèvent de devant vous. Et par contre, ils vous regardent. Et de ouf. C'est des regards de cul, tu vois. J'ai bien fait de pas ramener Pierre, oh là là. Oui. C'est des regards où les gens ils te regardent et tu vois ça boit du sang à droite, à gauche, les humains ils sont en extase, t'entends des comment ça s'appelle des cris, enfin pas des cris mais des Oula. Genre juste des ah tu vois, il des est là hein, partout, à droite à gauche. Carasso, vous voyez, t'as bien fait de rester. Et elle te fait monter tiens en fait ça fait, t'as la boîte de nuit tu vois, t'as le bar qui fait angle tout ça machin, et après t'as une espèce d'escalier qui monte et t'as une espèce de comme une mezzanine. Très bien, ouais. Où c'est un peu le carré VIP, tu vois. Mm-hmm. Où t'as une rambarde, où tu vois. Comme dans Vampire Masquerade Bloodlines. C'est votre siège. Vous êtes la reine de la soirée. Merci. Et disons que j'ai fait en sorte que quelques contacts soient de la partie. Donc, vous m'aviez dit que vous vouliez des beaux gosses, c'est ça? En calice, en ghoul, de quoi on parle? Je ne sais pas, vous m'aviez dit je veux des beaux gosses. C'est vrai. Si vous n'êtes pas précise avec moi, Prince, je peux pas vous aider. Non, vous avez raison, non, mais je suis curieuse de voir ce que vous m'avez réservé. Vous avez soif tout de suite? J'aurais aimé d'abord voir Brian et son ancienne ghoul. Je vais les faire monter? Oui, j'aimerais féliciter le nouveau. Tu vois qu'elle t'a fait la gueule, genre. Vous voulez d'abord commencer par les beaux gosses? Non, mais trop tard. Le prince demande. Tu vois qu'elle. C'est trop de concentrer après. Elle fait. Ouais, je faudrai après, parce que là, sinon, je vais parler. Sinon, après, je vais rester avec les beaux gosses. Elle fait juste, tu sais, ça comme ça. Et tu vois que Brian et Chris commencent à monter. Donc, tu vois Chris, hein, beau gosse. Toujours. Il est habillé magnifique. Il est vampire maintenant? Je le sens. Bah c'est ça le truc, c'est que tu peux pas sentir qu'un vampire est un vampire. Et Brian qui est là. Tac. Il est plus beau Chris. Hein. Donc ils sont là, tu vois qu'il vient, il dit Prince. Brian, Chris, comment allez-vous?
plus mort que jamais. Est-ce que cela vous plaît, cette nouvelle condition? Bon, disons qu'au début, il va falloir que je me familiarise avec un peu tout, mais on va s'y faire. J'ai l'éternité devant moi. Et puis, vous aurez un très bon professeur, et puis je regarde Brian. Je compte sur vous. Est-ce que je vous ai déçu une seule fois, Prince? En effet. Eh bien, écoutez, profitez de la fête. On va essayer, hein. Tu vois que... Il dit à Chris, va en bas, j'attends. Prince, tu vois, il y a des gens autour de toi. Enfin, des gens. C'est des calices. Des beaux gosses. Des... Oh. Top modèle, t'as les yeux qui roulent tout seul. Dis, je sais pas si je peux vous parler ici. Y a un endroit aussi isolé? Non. Suis les toilettes. J'ai un peu peur que nous fassions jacasser, Brian, si nous allons tous les deux. Et t'as la primogène Toréador à côté qui. Elle te regarde, c'est comme si elle était jalouse. Ben, pas jalouse de toi, mais jalouse de lui. De lui. Retournons plus tard, si vous voulez parler en privé. Malheureusement, je vais devoir partir. Je suis juste venu ici pour présenter Chris, tout ça. Donc on va quitter la ville. Ah, c'est ça que vous voulez me dire? Enfin, je vais quitter la ville. Après, Chris, il fait ce qu'il veut maintenant. S'il veut me suivre, il me suit. S'il veut rester, il reste. Il n'est plus ma goule. C'est à propos de ça que vous voulez me parler? Oui. Est-ce qu'il peut me le chuchoter sinon? Me l'écrire? Bah, c'est. Là, bon, la musique elle est pas forte, mais dans la boîte, c'est un bordel. C'est du. Tu vois. J'avoue. Donc, il peut ici, tu vois, il va te chuchoter, tu vas entendre des. Et en plus. Vous avez Canal Plus? Non! Ah bah, nique! Sinon on va finir par aller aux toilettes tous les deux, hein. Ça va être bizarre, mais... Ou aux cuisines, y'a pas un truc comme ça? C'est une boîte, hein. Ouais. C'est une boîte, hein. C'est... T'as le bar, la piste de danse, le DJ, le carré VIP, et c'est tout, quoi. Tu vois qu'elle a pris justement cette boîte justement pour que ça fasse... Ça isole, et ça permet que justement les gens de l'extérieur ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Bon bah on va aller s'isoler aux toilettes, j'ai pas d'autre choix, de toute façon. Si je veux savoir. Tu vas dans des toilettes. Avec Brian. Oh la salope. Très bien, donc tu vas dans les toilettes. Il va lui mettre un pied bouche à Brian s'il va. Oui, Pierre, c'est pas, faut non, que c'est pas Brian qui va prendre, c'est Chris. Oh non, il rien fait. Donc tu vas dans les toilettes, homme ou femme? Bah ouais, lui il va venir chez les femmes plutôt. Ouais, tu vois qu'il. Il n'ose pas, tu sais. T'es sûr? Écoutez, j'ai envie que vous me disiez ce qui se passe, mais... Tu vois juste, tu sais, qu'il prend son chapeau, il le baisse, tu vois, juste au niveau des yeux, tu vois. Il rentre. Excusez-moi, mesdemoiselles, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Ben, je veux dire à tout le monde qu'elle est là de sortir. Ouais, tu vois que, ouais, il sort, hein, tu vois qu'il y a des vampires et des calices, tu vois. Mais il y avait aussi des calices. De boire et tout. Tu vois que ça baisait un peu aussi. Tu vois qu'il y en a une qui passe à côté de toi, qui te dit « Je suis là pour vous, mon prince. » Et tu vois, elle te prend la main comme ça. Et tu vois qu'il y en a une, elle commence à toucher Brian. Ne me touchez pas, non. Non, c'est un costume à 800 €. Et tu vois que hop, il regarde. Tu vois, il regarde un peu à droite à gauche, il n'y a pas des caméras, tout ça machin. Il regarde dans les toilettes, il y a 4 toilettes. Il regarde dans chacune. Ok, on est seul. Attendez. Chris, garde la porte. Et tu vois qu'il ferme la porte. Ah, il faut que je vous parle. Si je vous dis ça, je risque gros. Mais bon. De toute façon, je quitte la France, donc je vous débrouillerez avec ça. Les 20 rues sont en train de faire alliance avec ces machins là de trucs, les humains qui nous chassent, je sais plus comment ils s'appellent, les aventuriers de l'arche perdue. L'inquisition?
Ouais, je crois. Et le primogène a fait. Enfin. C'est pas le primogène qui a fait alliance en fait, c'est. C'est certains ventrus ont fait alliance avec, avec eux. Mmh. Mais d'après ce que j'ai entendu, le prince n'a pas voulu en savoir plus. Et lui n'est pas allié avec eux. Il a, d'après ce que j'ai pu glaner comme information, il a puni ceux qui étaient alliés avec eux. Mais après, le reste, moi, c'est tout ce que je sais. Donc là, je vous ai mis au courant. Et vous avez les noms de ces ventrus traîtres ? Il les a tués déjà. Alors, il y en avait plein, il y avait Kenny, Christelle. Henrietta. Il y en avait, enfin, il y a à peu près une dizaine qui avaient, selon lui, fait alliance avec l'Inquisition et les a tués. Et on est sûr qu'il n'y en a plus. Oui, il les a tués devant nous. Enfin, devant nous, devant les ventrus. Et hier, d'après ses dires aussi, il a dû se défendre contre les Brujas qui ont attaqué. Ils ont attaqué sur son territoire. Donc il s'est défendu et il me semble que les Brujas ont pris une rouste. Mmh. Ok, merci Brian en tout cas de m'avoir informé. Non, ouais. Chris, je vois que votre il rentre, oui. Je vais quitter la ville, je vais quitter le pays d'ailleurs. Que fais-tu? Tu restes à Paris, tu m'accompagnes. Tu vois que lui, tu vois qu'il bug, tu sais, il bug. Ouais, il vient juste être au courant maintenant, tu vois. Comment ça, mais vous partez où? Vous revenez? Non, je ne vais pas revenir. Donc je te le demande maintenant, soit tu pars avec moi, je vais aux États-Unis. Soit tu pars avec moi, soit tu restes ici. Je peux réfléchir? Non. Et tu vois qu'il te tend une pièce. Chris te tend une pièce. Mmh. Et il te dit choisissez parce que j'y arrive pas. Donc pile, je vais avec lui, face, je reste ici. Bah je la tire. Donc lance-moi un des deux. Un des deux. Tu vas voir que c'est vraiment une pièce qui va partir. Un des deux. Ouais, tu fais slash R, un des deux. Attends, non, il faut que je rentre rôle, je crois. Ouais, tu fais slash R. Ok. Non, non. Comme ça, slash. Enfin, là, je mets les guillemets. Voilà. Ok. Ok. Donc, ça, c'est pile. Donc, il va partir avec lui. Très bien. Donc, il dit, ben voilà. Le sort en est jeté. Bonne chance. Ravi de vous avoir connu. Même si on s'est pas connu dans les meilleurs termes. Mm. Donc, faites attention à vous. Pas ben, pareil pour vous. Tu vois que l'autre dit Chris, dégage, arrête de parler, casse-toi. Tu vois que le mec il sort. Et il dit faites-vous des alliés. Ça urge. Ouais, beaucoup. Disons que le dernier truc que vous auriez pu avoir, vous avez tiré un trait sur les toréadors. Les gangrels. Hein. Pas la meilleure idée que vous avez eue. Je me permets d'être un peu plus familier vu que je quitte la ville. Hein. Je sais que même si vous me lancez une chasse au sang, je serai déjà trop loin. Pas de problème. Mais bon, si vous faites pas des alliés très vite, je sais pas ce qui va se passer à Paris. C'était trois idées, moi, mais. Non, mais je vais le remercier et puis lui citer mon voyage. Tu vois qu'il te. Tu sais, il fait juste ça. C'est un peu, tu vois qu'il a une certaine classe quand même, tu vois, une classe un peu à l'époque, tu vois. Mm-hmm. Tu vois qu'il a une certaine façon de se tenir, assez droit, tu vois. Et tu vois qu'il part. T'entends juste, allez Chris, on a plus rien à faire ici. Moi je sors aussi derrière. Donc tu sors. Tu vois que t'as Alice, Alice te fout droit du regard. Carrément. Mais tu peux sentir toute la haine dans ses yeux. Ah non, elle va dire de la merde sur Happy alors que c'est pas tu vrai. Vois, genre, elle fait. Comme ça, tu vois. J'ai rien fait, Alice. I'm innocent. Tu vois qu'elle dit tu fais ce que tu veux. Alors Alice ne va pas t'imaginer des choses parce que là vraiment ce serait idiot de ta part. Ouais,
m'excuseras, hein, mais... Moi, je sais pas ce qui s'est passé dedans. Eh ben, je t'en parlerai quand on sera plus à la fête, si tu veux, mais là, je peux pas. Ok. Mais tu vois que la Toréador qui arrive, elle t'alpaque direct, hein. Elle veut pas que tu vois que... Ouais, elle veut pas te laisser en bas, quoi. Te fait remonter en haut. Eh ben, à elle. Donc tu remontes en haut, pareil, t'es, voilà. T'es un espèce de trône, tu vois, avec plein de beaux gosses et huilés, musclés, ça ne veut rien dire. Ça, bien quoi. Donc que fais-tu? J'aimerais bien choisir une goule dans tout ça. Dans des beaux gosses. Très bien. Donc je te mets les beaux gosses qu'il y a. Donc il y a lui. Calmez-vous, madame. Je peux entendre d'ici, hein. Tu entends ma bête? Ah ouais, je l'entends qu'elle est ce monsieur là. Ce monsieur là. Aïe aïe aïe. Ce monsieur là. Si, avec des bras aux yeux bleus, vous me tuez, monsieur. Et ce monsieur là. Allez, t'as le choix, démerde-toi. Vous avez 4 heures. Ça fout que c'est chaud, ça. Non, on va pas dire d'ahurie, je pense. Comment tu l'appelles d'ailleurs? Bah, tu vois qu'il est là. Hein. Tu sais, donc tu vas vers lui, c'est ça? Ou tu fais quoi? Ou tu choisis, tu dis vas-y, viens me voir? Non, bah, je l'appelle, je suis dans le carré VIP quoi. Mais ils sont autour de toi, tu sais, un peu comme si c'était un harem, toi. Bah, je lui fais signe d'approcher. Et tu vois qu'il se lève, hein, il vient devant toi, il se met à genoux. Pire, bah, me tue. Je vais le boire. Donc tu le bois. Ça vient un petit peu. Tu vois que lui il est en extase totale. Donc tu peux enlever les points de soif que tu veux boire. Très bien. Non, juste un. Ok. Et donc, pour... tu vois, lui il est en extase. Dès que tu le bois, il est à. Tu vois. Tu sais, il a le pied qui vibre là-bas. Là. Et pour en faire ma goule, il faudrait que je lui fasse boire mon sang. Je sais pas si ouais. Ça se fait en public ou si c'est. Ben, en tant que prince, non, faut pas le faire en public. Hein. Ouais. Après, tu peux le faire, hein, t'es prince, tu fais ta vie. Hein. Non, mais par contre, je vais prendre ses coordonnées, si c'est mon calice personnel. Bah, après, c'est pas ton calice personnel, mais c'est un calice que t'as mis à disposition la Toréador. Oui. Après, peut-être que c'est le sien. Ah, ça faudrait que je lui demande. Mais elle est toujours là, de toute façon. Elle est à côté, ouais. Allez, tu vois, ça fait une mezzanine, tu vois, elle est à peu près à 5-6 mètres de toi, quoi. Elle est en train de discuter, tu vois qu'elle est en train de mettre genre, elle est en train de mettre une soufflante à quelqu'un, mais fort. Ouais. Ah ouais, tu sens qu'elle veut pas que la soirée soit parfaite. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle a trouvé tous ces très beaux calices. Ce sont les miens. D'accord. C'est ma petite collection privée. Je me suis dit que j'allais vous en faire profiter. Vous avez très bon goût. Mmh. Ah bah, disons que je préfère m'entourer de tout ce qui est magnifique. Et tu vois qu'elle elle a cette femme à côté d'elle, elle commence à la boire. Tu vois la femme, tu vois cette femme là, cette humaine te regarde pendant qu'elle est en train de boire. Il y a une tension sexuelle dans son regard. Ah, c'était elle qui était dans les toilettes. Ouais, c'est elle qui était là, ouais, elle y était aussi. Non, très bien, bah je... Pas trop quoi faire à cette fête, en vrai. Je vais laisser Noah jouer, je vais réfléchir, je sais pas trop quoi faire. Ok, ça y est, elle a l'air trop beau gosse. Bah oui, puis ils sont tous pris, donc pas pratique. Bah après, elle a dit que c'était des calices, hein. Bah oui. Après, t'es prince. Le ventru t'a dit quelque chose. Certain. C'est vrai. De ton côté, ok, d'accord, elle va réfléchir. De ton côté, Noah. Noah, je vais pas y arriver. T'as fait noix de cajou, ça va être très facile. Donc, bon, t'as fait ta petite affaire, hein, tu redescends. La nana, elle est sur, dans la camionnette en mode ah, tu vois. Sympa. Donc, t'as bu, tout ça, tout ça. Mais bien, un petit titre, ouais, pour une goule.
Ben, je voulais aller à l'Elysium, mais après, pour voir le prince, il y avait une mission pour moi, mais après, je me suis dit, finalement, si y a la soirée, ça, elle sera pas là-bas, donc ça sert peut-être un peu à rien d'y aller. Il est beau, lui. C'est bon, je suis chaud. Bon, je vais quand même aller à l'Elysium, voir. Peut-être à 7h de live, hein, tout va bien. Demain, je vais peut-être dormir l'après-midi, hein, je suis désolé. Tu vas à l'Elysium. Un titre, genre un titre, genre. Et la soirée, elle est ici. Genre Sénéchal, mais pas Sénéchal, quoi. Tu vas à l'Elysium. Genre gardienne du temple. Tu vois qu'il y a personne. C'est celle qui organise des événements de l'Elysium. Ben si. T'as le primogène. Héros, c'est celle qui dit les lois. Et Pierre, qui est par terre. Il est par terre en plein milieu du. De la salle. Il est en train de kiffer le carrelage, quoi. Tu l'entends, il dit. Il est là, moi, ah, c'est frais, c'est génial. C'est évident, mais ouais. Et tu vois, en fait, que t'as. Le G-Délisium, t'as le primogène qui, en fait, il lui balance des boules de papier pour essayer de se rapprocher le plus possible. Chambellan, voilà, c'est un peu ça, c'est l'idée. Mais il y a d'autres types qui existent. Bon, bah. Il y a Ombre, il y a Fléau. Quand je vois qu'il y a personne, je fais. Le shérif, bien sûr. Je regarde Pierre, voilà. Je pense que je donnerai un titre à cette nana et je lui demander une goule. Et on joue au tapis. D'accord. Bon, bah je vais vous laisser du coup s'il y a personne. Pourquoi tu voulais quoi? Bah savoir si je pouvais me rendre utile pour le prince, étant donné qu'il n'y a rien à faire, de gérer d'autres affaires, donc Bah là elle est à la fête hein. T'as qu'à aller là-bas pour voir. J'ai pas été invité. Bah t'as qu'à l'appeler. Non, bah je vais la laisser tranquille, faut qu'elle se fasse des relations aussi. Et c'est pas mon rôle de l'appeler pour savoir si elle a un truc à faire pour moi. C'est plutôt elle de m'appeler si elle a besoin, je pense. Enfin, quelqu'un qui a arrêté d'être con, quoi. Fantastique, hein. C'est bizarre, hein. T'es passé de Mongolito à quelqu'un de français. Jean-Guy de voir ça. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un ce sera pour une vampire, t'inquiète pas. Qui m'a bien expliqué les choses. Ce sera pour la prime au Toréador, je pense. Mais dans ce cas, je lui demanderai une goule en échange. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je lui prends son calice. Et en échange, je lui dis, bah. Moi, je te jure, je te casse la gueule. Tu deviens ça, quoi. Mais ça fait beaucoup pour juste un calice, quoi. C'est ça que je me dis, donc je sais pas. Eh bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire alors là? Mais ça ferait un allié. Je vais visiter un peu, j'ai jamais. Ça fait longtemps que j'étais pas venu à Paris, donc je vais visiter, voir un peu si ça a changé, et puis voir comment ça c'est devenu depuis le temps. Essaye de, je sais pas moi, de pas servir à quelque chose. On mini pause, mais... putain, on arrive à 7h de live. C'est un fort des trucs. Moi j'adore, pas, hein. Franchement, mais y'a aucun souci, on continue encore 3h. Ça marche. Merci du conseil. J'espère que vous travaillez pas demain. C'est pas un conseil, hein. Démarre-toi. Hein. Et tu vois que Pierre il est en train de baver sa race. Bah, il est bien mon nouveau sénateur. Oh, Carasso. Oh, tu entends juste qui dit. Je mettrai sur YouTube. En fait. Oh, c'est ce que j'arrive. Pas très bien, réponds pas. Non, mais je réponds pas et puis bah je repars quoi du coup. Ok. Donc tu repars, tu sors. Où vas-tu? Je vais peut-être retourner du côté de la. La bibliothèque de France, parce que ça m'intrigue quand même cette histoire que ils se sont fait attaquer par des hommes armés. Je vais pas m'approcher trop du bâtiment, de la porte d'Italie. Et comme aller shérif, par la porte d'Italie, je vais pas trop m'approcher. Bien aimé demander si à l'ancien shérif d'être mon shérif en fait. Le bâtiment est vraiment encore avec des hommes armés parce autour. Il est bien badass. Si ça a un peu été. Je sais pas s'il va accepter pour être franc. Ok, donc tu vas là-bas. Je préfère te prévenir, tu commences à être à la dèche à niveau sous-sous. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'y vais en métro, c'est moins cher le métro. Voilà, donc tu vas là-bas, tu vois que le quartier là où ça s'est passé est bouclé. C'est vrai. D'accord. Et... tu vois, il y a la police, tout ça, si machin. Si il me dit non, par contre, je sais pas du tout. Et il laisse passer personne. Un grand grève, peut-être. Et genre, sur un bon quartier, quoi. Et que ceux qui... il laisse passer des gens, mais tu vois que c'est des gens qui présentent leur papier d'identité. Ils se font que des brujas, après, ça va être sûrement des personnes qui habitent ici, quoi. Ouais. Ouais, c'est juste les habitants qui peuvent passer. Et tu vois qu'il y a des gens qui regardent, il y en a qui filment. T'entends des gens qui disent ouais, hier, ce qui paraît, ouais, il y a une fusillade. C'est deux gangs pour de la drogue et tout, mais non, et tout, c'est pas ça que tu racontes, toi. C'est deux mecs qui se sont battus, ils volaient même et tout. On se dit, mais ferme ta gueule, t'es un con, toi aussi. Là. Ok, bah, je vais faire style de rien, je vais m'approcher s'il y a sûrement des barricades ou qu'il y a les flics et je fais. Ouais, okay, c'est ce que je disais aussi, négocier avec le primo. Toi, tu vois. Ouais. Pas un flic, mais tu vois, plus flic IGN. Oula. Qui arrive à toi qui dit non, monsieur, vous habitez dans le quartier. Oh là là.
Une harpie, normalement, Je venais voir une amie, j'ai mais aucune autorité apparemment sur elle. je peux pas passer. Ah Donc, bah non, vous allez rester là. Et il s'est passé quoi exactement? Parce Ça que vous regarde pas. c'est rare de vous voir autant déployé. Vous êtes policier? Voilà. Non, du tout. Votre avocat? Non plus. Bah voilà. Curieux, c'est tout. Voilà. Donc si vous avez rien à faire ici, circulez s'il vous plaît. Très bien. Bah du coup, je m'éloigne un peu et puis... Donc tu t'éloignes, hein. Fais-moi un jet de résolution vigilance. Difficulté, on va mettre. Il y a un peu de monde quand même, donc 3. Mira, ça y est, elle a vu des beaux gosses, elle sait plus où elle est quoi. Et c'est pas honteux ça. Allez, 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 allez. Ah, vas-y. Donc, ouais, non. Tu t'aperçois juste quelqu'un avec une longue chevelure, mais tu sais pas qui c'est. Je suis en train de parler à des policiers. D'accord. D'accord, d'accord. Enfin, quand je dis et... donc chevelure, c'est. Ça lui arrive à peu près au niveau du. Entre les omoplates, quoi. Ouais, c'est Henri sa mère. Putain! Ok, mais hier, il y avait les deux videurs qui m'avaient dit que le primo ventru avait des longs cheveux, le Alain. Non. Ce qu'ils t'ont dit. C'est Henri. Ah, très bien. Je vais, mais. Bien que je trouve un truc. Ouais, il utilisait ma puissance de sang pour me rajouter des. Ah, je suis. Ah ah, enfin ouais, enfin on y pense jamais au bout de 7 heures. On va y je peux le faire maintenant Donc, toi, la puissance de. Si tu utilisais ta puissance de. Là, tu... oh, ok, je sais pas parler. Mongolito. Après, il anime depuis. Donc, 7 heures, tu veux quoi? Tu veux faire un coup de sang pour ajouter des dés? Tu veux faire quoi? C'est ça, un coup de sang pour ajouter des dés. Donc fais-moi un jet d'exaltation pour faire un coup de sang. Oh bah t'as soif. Non c'est bon, non j'ai rien dit, pardon. Donc t'as pas soif et tu peux lancer 2 dés en plus. C'est 2 dés 10, c'est ça? 2 dés 10, ouais. Donc là tu peux réussir. Ah si t'échoues, mais je hurle. Putain. Donc oui, tu vois ce monsieur. Donc là d'un coup tu vois que... C'est mieux, tu vois, tu vois mieux la lumière et tout. Bien sûr, y'a pas de problème. Et tu vois lui là, qui est en train de parler à des policiers. J'ai senti d'avoir été là juste aussi longtemps. Tu vois qu'il a l'air de. Comme si puis. Bonne nuit à Canon. Il était en train de faire une déposition. D'accord. C'est gentil d'avoir été là. Hein. Qu'il est presque 4 heures, toi. Ok. Bah, du coup, que je vois ça. Ah, j'ai pas le numéro du. Ah, j'ai le numéro de personne en fait. Bah, ouais, c'est ça le truc. La à part celui de du prince, j'ai pas de numéro. C'est ça. Parce que tu penses pas prendre les autres. Ouais, c'est ça. Je vais retourner à Lily. Oui, on va bientôt finir même. Je vais prendre le métro, je vais retourner à Lily. Il en peut plus. Voir le Seigneur. Ok, donc tu retournes là-bas. Tu vois que le Sénéchal, bah, il est là, il est assis sur les marches. Tout seul, tu vois qu'il oh, se fait chier. C'est gentil, merci. Il doit arriver. C'est bien éclaté, j'ai enfin eu Pierre. Ça y est, tu t'emmerdes? Moi oh, ça va, je suis heureuse. Non, j'ai... Mourir heureuse. Je m'ennuyais, on va oui. dire, du coup je suis reparti du côté de la porte d'Italie où je vous avais dit d'aller hier. Ouais. Le primo ventru, c'est bien grand, brun, les cheveux bien longs. Ouais. Ouais, il est bien... Oui, à peu près, oui. Il était en train de faire une déposition là-bas, tout le quartier est bouclé, apparemment il y a eu une guerre de grande guerre, et il était en train de faire sa déposition aux flics. Bah ouais, c'est nous qu'on y est allé. Mais il était pas oui. là. Mmh. Bah maintenant il y est. Mais le quartier est bouclé, hein. Tous les flics ils y sont. Bah oui, ouais, ce qui s'est passé hier. Mais au moins ça confirme qu'il y ait de mèche avec les personnes qui me sont attaquées avec des parents d'argent, s'il est là par maintenant. Ah mais on n'a pas de preuves. Et là, il est là le problème. Ouais. Donc on n'a pas de... Donc on n'a pas de preuves. Pas de preuves. Pas de preuves, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Tu vois qui dit ça? Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas, pas de palais. Mmh. Je comprends. Du coup, bah... Là, vu comment c'est bouclé, c'est impossible d'y accéder. Moi, je peux pas.
On va voir si on peut pas mettre s'il n'y a pas possibilité de mettre quelqu'un. Non, cherche pas. Il est Nosferatu ? Nosferatu, c'est pas possible. Non, cherche pas. Laisse couler. On va laisser couler pour cette nuit là déjà. Ça, c'est le bordel. Ça sert à rien de remettre encore de l'huile sur le feu. Très bien. On se sentira agressé et là, par contre, on sera en tort. Bon, si tu fais un truc, par contre, je te préfère te prévenir. Tu fais un truc de travers, je t'écrase. Je ne ferai rien. Ouais. Déjà, j'ai pas été mandaté pour. Et. Non, mais même, juste pas l'initiative. Non. Les initiatives, c'est bien quand on a quelque chose à gagner. Ok. Là, t'as plus à perdre qu'à gagner. Et je préfère te prévenir, tu te fais attraper, je viendrai pas te chercher. C'est pas ce que je demandais. Non, je vais rester tranquille. Ok. Bah, casse-toi alors. Ouais, bah, je me casse. Mais coucou tout le monde, hein. Désolé, je remets la cam dans Henri. 2 minutes. Il lui a dessiné des bites et tout sur le front. What? Laissez mon poste Pierre. Ah non. Pendant ce temps, Mirabel. Oui. T'as mal à la tête là, y'a trop de beaux gosses. Oui, complètement. Je sais plus où donner la tête. Bah, j'ai bu. Alice, je pense que ça va aussi, elle a bu. Ouais, bah, Alice, elle s'est trouvé un calice en dessous, tu vois qu'elle elle danse avec. Très bien. J'aurais parlé à la Toréador. Oui. Bah, je voudrais déjà vous remercier pour cette très belle fête. C'est moi qui dois vous remercier. Merci de m'avoir choisi. Bah, avec plaisir. J'aime beaucoup un de vos calices. Je vous l'offre. Dites-moi lequel. Oh, c'est très gentil à vous. Bah, je pointe celui que j'avais repéré. Sam, viens ici, Sam. Tu vois que le mec se lève. Mm-hmm. Sam, le prince te choisit. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci, madame. Avec plaisir, enchanté, Sam. Tu vois qu'il parle pas. Oui, pardon. Disons que elle lui passe la main dans les cheveux. Je les ai entraînés à être beaux, pas à parler. D'accord. Donc j'espère pour vous que vous n'avez rien contre les silencieux. Non, j'espère le décoincer un peu quand même. J'entends ça, Sam. Est-ce que tu aimerais qu'elle te décoince? Je vois que oui, avec plaisir. Très bien. Est-ce que vous souhaiteriez être c'est gardienne du temple, c'est ça, celle qui organise les événements de l'Elysium. Gardienne de l'Elysium, c'est ça. Tu vois qu'elle commence à tourner de l'œil. Ah ouais. Ouais. Tu vois qu'elle. Tu sens, elle joue la comédie, tu vois, mais elle la joue bien, hein, tu sais, elle la joue bien. Hein. Pendant un court instant, tu te dis, oh, elle va tomber dans les pommes, tu vois. Mais tu vois qu'elle. Vous aimeriez que je devienne votre gardienne? Tout à fait. Tu vois qu'elle se prend, tu sais, par la main comme ça. Merci. Avec plaisir. Très très bien. Eh ben, moi je vais aller voir Alice. Tu vois que ce qui se passe, c'est que aussi, c'est que quand tu lui as dit ça, tu sens que chez la Toréador, il s'est passé un truc dans sa tête. Tu sais pas quoi. Tu vois qu'elle est descendue et elle commence à se mettre à danser. Mais putain de merde, elle danse, c'est un chef-d'œuvre le truc. Tu vois, elle ondule, tu vois que les gens dansent autour d'elle. Tu vois que, tu sais, ça fait une espèce de battle, tu vois. Mais tu vois que elle a le dessus tout le temps. Tout le temps. Un peu, je sais pas si t'as vu genre American Pie 3. Oh, quand Stifler, ouais. Stifler, il se met à danser. Oh. Elle a la même chose, tu vois, à chaque fois elle a le dessus sur les gens, ça danse. C'est lancineux, c'est langoureux, c'est. Tu vois qu'il y en a, ils essayent d'un peu, tu vois, de prendre. Comment ça s'appelle? Prendre le relais, tout ça, machin. Elle les met tous KO, tu vois, c'est magnifique. Hein, c'est... Même toi, tu te dis. Ouf, même. Ouais, j'ai pas ce niveau, impossible. Ouais, oui, non, je pense pas. Et tu vois qu'elle elle te fait chier, tu vois qu'elle te tend la main. Voilà. Oui, je vais y aller. Et tu vois qu'elle elle t'attrape. Elle te plaque contre elle, tu vois. Oh là là. Ah, franchement, tu sens son corps, hein. Tu sens son corps. Toutes tes expériences ce soir. Impeccable. Sur elle, tu vois que tout est parfait en fait. Tout. C'est très étrange.
elle est magnifique, tu vois. Elle commence à te faire danser. Tu... Fais-moi un jet de charisme. Représentation. Ouais, c'est pas grand chose. Elle va en faire un, je préfère te prévenir. Après charisme, c'est belle, non? Oui, oui, tu peux aussi. Plus utiliser belle. Ouais, plus 1. Non, c'est pas plus 1, c'est plus 1 D. Donc tu peux lancer 1 D10 en plus. Je le ferai après. Elle aussi, elle a, elle a fantastique, donc elle a plus 2 D. Elle va te bouffer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois qu'elle te, elle te met, tu vois, c'est, en fait c'est étrange, tu vois qu'elle, elle te mène, tu vois qu'elle mène la danse, mais d'un, d'une main de maître. T'as l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie, toute sa mort. Sûrement. Et, mais tu, tu vois qu'elle te laisse, enfin, elle fait croire, surtout, que c'est toi qui mène, tu vois. Toi, tu, tu sais, tu le sens qu'elle te mène. Mais tu vois qu'autour de, des autres, tu vois qu'elle te laisse mener, en fait. Elle fait, elle fait croire que tu mènes. Mmh. Tu vois, donc tu vois qu'elle tu vas si bisous machin et elle t'embrasse. Voilà, mais elle t'embrasse, tu vois, langoureusement quoi, tu sais, furieusement. Alice, elle me regarde comment là? Tu vois qu'elle elle te regarde, elle te fait me tuer. oui, oui, non, je, bah, je la repousse pas, mais je, j'abrège de baiser, on va dire. Ouais. Et tu vois qu'elle, hop, tu vois, elle se mord les lèvres. Honnêtement, fais-moi un jet de sang-froid, empathie. Qu'est-ce que là, c'est la, je la torréador, elle est folle furieuse. Oh là là. Elle est dans son élément, sans tu l'arrêteras pas là. Oh là là. Sang-froid, empathie, ouais. Pas beaucoup de dés, hein. Ok. Ok. Elle, par contre, en charisme, elle est folle furieuse. Hein. Oh putain. T'es infidèle. Ah! De ouf. T'es de, tiens, t'as embrassé son parfum, sa, son visage, tout en elle. T'as. T'es envie d'elle. Merde. Là, après, c'est pas une envie irrépressible, tu vois. C'est pas tu vas, lui sauter, tu vas la sauter devant tout le monde, mais. Tu vois, t'es. Tu vois, comme quand tu vois des beaux gosses, tu vois, t'es. Je vois, mais là, je vire un peu ma cutie quand même. Tu peux pas faire un jet de volonté Bah, en fait, t'as échoué le jet d'empathie sans froid. Ah. C'est ça le truc où t'aurais. Ouais, bah, après, voilà, elle a un charisme, elle, elle est surdosée, quoi. Mais après, c'est pas pour autant que. Que comment ça s'appelle, qu'on n'a pas envie. Oui, que je peux j'ai sauté dessus. Oui, voilà, c'est pas un truc irrépressible comme la fin, tout comme ça. Oui, je sais. C'est juste là, tu t'as eu une pensée qui d'un coup t'a traversé en mode. Tu vois. J'ai envie de te faire des choses. Ouais, tu sais, tu peux te barrer en mode. Je dois y aller. Mais tu vas y penser longtemps. Ah ouais, putain. Voilà, elle t'a, elle, ouais, bon, elle a fait. 1, 2, 3, 4 succès. On a fait qu'un. Donc elle t'a un petit peu... Un peu charmée, ouais. Mais tu vois qu'elle elle a pas fait... Enfin, c'est pas malicieux ce qu'elle a fait, tu vois. Ça, c'est pas elle t'a charmé pour... elle t'a pas demandé un truc, mais... tu vois. Tu sens que... c'est surtout... Peut-être ça a été un peu plus fort qu'elle, en fait. Oh. Elle a été dans son élément, elle est dans des trucs où c'est magnifique. Elle, elle disant qu'elle a lâché un petit peu de lest. Et... t'as senti son... Cette espèce de... magnétisme qu'elle a. D'accord. Non, mais t'as bien crevé de la nuit avec Pierre quand même. Mais tu vois, t'es fatigué, tu vois, mais tu vois qu'il y a énorme. Quand t'es, pareil, tu sais, quand tu t'es senti un peu. Tu vois, t'as toute la boîte qui l'a regardé presque. Ah, donc tout le monde nous a vu, on est grillé de chez grillé. Ah oui, non, mais bah, le prince qui danse avec la Toréador, la primogène Toréador. Même Alice t'a filmé, hein. Je préfère te prévenir. Oh, la pute. Oh non. Voilà, t'es sur Insta. Instagram. Non, mais Pierre va me. Je vais mettre Pierre en attache. Pierre, t'as vu? Ah non, hashtag, ouais. Elle te trompe. Ah non, mais par contre, Alice, je vais la rattraper après, hein, et on va rentrer ensemble. Hein. On va parler. Non. Je vais y aller. Allez, ciao. C'est ça. Non, non, mais par contre, je vais donner.
Putain, j'ai même plus de maison, quoi. Il est quelle heure? Ça fait un moment que je dois être à la fête, quand même. Ouais, ça fait un moment que t'es à la fête. Là, il commence à être 3-4 heures. Bon, ok. Je vais prendre les coordonnées de Sam, c'est ça? Si je dois le revoir. Ouais. Et je vais souhaiter une bonne soirée à la Toréador Ventru... à la Primo Toréador. Tu vois qu'elle te regarde? Vous partez déjà? Écoutez, il est tard, mais vraiment, bravo pour cette fête, elle était magnifique. Autant que vous, d'ailleurs. Tu vois qu'elle s'approche de toi, elle te prend la main. Tu vois que... Voilà. Tu sais, ce... T'sais, pareil, tu sais, quand elle s'approche de toi, tu vois, t'sais, tu sens ces boobies qui se pressent contre toi. Oh là, et ça... T'sais, t'as ton sang, il a fait un tour. Hein. elle te dit, je ne vous oublierai jamais. Moi non plus. Ni cette soirée. Et tu vois que quand tu pars, tu vois qu'elle te regarde comme ça, comme si tu partais. Et tiens, elle te regarde. Comme si genre, reviens-moi. Oh là là. Trop de love. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est prendre Alice. Et la tirer un peu. Alice, elle est au bar. Alice, elle est torchée complet, quoi. Oh putain. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait boire un calice et elle l'a bu derrière. Ce qui fait qu'elle est défoncée totale. Ah oh, non. Tu vas être regarde, elle dira, ah, putain, c'était une bien soirée. Là, je crois que je vais vomir. Ouais, je vais te ramener à Anthony, ma belle. Non. On va rester encore un peu. Pourquoi faire? Parce que j'ai envie encore de faire la fête, ça fait longtemps. En plus, depuis que je suis à cette fête, regarde, je me suis fait au moins 20 000 followers par heure. Et regarde, j'ai mis la vidéo de toi qui danse avec la Toréador. Ça va me faire des vues de ouf. Mais tu sais que je vais me faire tuer par Pierre. Tiens, j'y ai pas pensé à ça. Ah. C'est bête, hein? Ah oui, c'est bête. Non, ouais. Par contre, Alice, si t'as 2 minutes tes esprits, je sais qu'il y a 2 personnes à qui Pierre ne pourra pas dire non, et en tout cas, il pourra rien faire. Tu vois qu'elle te prend par les épaules, elle te dit, vas-y, je me concentre. C'est toi et de Primogène. Donc j'ai besoin que tu le surveilles pendant que je serai pas là, quand je serai pas avec lui. Non, je peux pas, il faut que je surveille Anthony en ce moment, je peux pas. Il est pas bien Anthony en ce moment, faut que je sois avec lui. Déjà il m'a fait une scène parce que je venais là tout seul. Bah justement. Donc, je lui ai mis un pied bouche et il dort là. Bah tu veux pas qu'on rentre justement, qu'il s'inquiète pas. Non mais il sait que je suis là. Il sait, il regarde, tu vois, elle te branle son téléphone, tu vois. Regarde, il m'a lâché plein de messages, regarde. Tu vois. Il a marqué quoi? Tu vois, il a marqué, ouais, ne touche pas, t'es avec qui? C'est qui ce collard? Ouais, non, mets quelqu'un sur Pierre pour le protéger parce que j'ai vraiment peur pour lui. Ouais, t'as peur de qui? Tu sais, Brian, que j'ai vu là un peu plus tôt. Tu l'as baisé? Non. Par contre, tu il me l'a. Ah, je te le jure, y'a pas de problème. Ok, je te crois. Les ventrus, enfin en tout cas certains ventrus, ce serait allié avec l'Inquisition. Je dis ça assez bas quand même. Tu me dis des trucs, je comprends pas. Je te parlerai. Je t'adore, hein, mais. Je vois trouble, c'est rigolo. Ouais. Viens, je la tire et on va sortir. Tu vois qu'elle te fait non, je veux rester. Allez, viens. Et tu vois que la Toréador dit restez, prince. Ah oui, il faut que je la ramène, elle est pas bien. Je peux envoyer quelqu'un pour la ramener, avec plaisir. Tu me tentes, MJ, tentateur. Reste avec les beaux gosses. Attends, c'est toi, tu me dis, j'ai pas assez de beaux gosses, tu m'en mets pas. C'est et dès vrai. Que j'en mets, ouais, bah non, je pars. Mais non, mais... Mais maintenant, elle a eu Pierre. Bah ouais, voilà, maintenant j'ai Pierre. Il va péter la gueule de tout le monde après. Ah bah là Pierre il va péter un boulard là, quand tu vas voir ça. Oh là là. Non mais je vais ramener Alice, comme ça me fera aller chez les brujeurs en plus. Mais tu sais pas où il est le nouveau vieux des brujeurs. Ouais c'est vrai. Bah je la mets dans un taxi, elle se débrouille, hein. Elle donne une adresse. Non elle veut pas aller, tu vois qu'elle veut aller dans sa voiture. Tu veux pas conduire dans cet état?
Quand je suis bourré, je conduis mieux. Bon, bah, je la laisse rentrer et moi je vais me trouver un hôtel. De toute façon, il faut que je trouve un autre hôtel. Et faire un geste conduite, je sens qu'elle va faire de la merde. Non, putain. Mais elle est bonne, elle est très dexte. Elle a pas beaucoup de force, mais elle est très dexte. 1, 2, 2 succès. Tu vois qu'elle prend un virage, elle fracasse un pilote. Oh putain. Moi, je prie qu'elle arrive en un seul morceau. Ouais, tu vois qu'elle elle a pas tapé sec, tu vois, mais tu vois que quand elle est partie, elle a touché une voiture. Le mec a dit oh ma voiture, ferme ta gueule, connard. Bah, je vais peut-être passer à Elysium, récupérer Pierre et puis nous foutre dans un hôtel. Sérieux? Elle a 8 des 10, elle a fait que 2 succès cette connasse. Bah, elle est bourrée en même temps, tu me diras, c'est quoi cool, bourrée, je lui ai mis un moins 2 quoi. Donc, hop, tu vas dans Elysium. Ah, Paris! Ouais, je vais aller récupérer mon homme, enfin ce qu'il en reste. Ouais, donc tu vois Pierre, il est par terre, tout le carrelage. Je vais le mettre par-dessus l'épaule, hein, ça va finir comme et, ça. Tu remarques une chose, c'est qu'il a des il a des dessins partout. Genre, il y a des bites, des trous de balles, des nichons. On se regarde mon sénéchal et je fais, c'est où? Ah non, c'est le gardien, c'est pas moi, j'étais pas là. Uh-huh. Allez, je surveille. Bien sûr. Je vous jure. Bah, je vais le prendre par-dessus l'épaule comme un sac de pommes de terre, quoi, et puis on va aller chez lui, il doit avoir ses clés dans sa poche. J'avais la garantie aussi de la montre, en vrai, je pourrais aller la faire changer. Ouais, aussi, ouais. Tu vois que t'as le sénéchal, enfin le homogène qui te dit. Vous allez où? Encore une fois. Il est pas en état là. Je vais juste te ramener. Quoi que tu me diras, c'est peut-être pas safe chez lui. Peut-être aller à l'hôtel. Tu voyais. Bah, on a potentiellement l'inquisition sur le dos. Ah oui, sénéchal. Un ventru est venu me voir. Donc, c'est confirmé hein, que les ventrus sont alliés avec. Enfin, en tout cas, certains ventrus sont alliés avec l'inquisition. Et c'est qui? C'est Brian. Putain, si seulement je lui avais mis la main dessus. Soi-disant, une partie ont déjà été éliminées. Est-ce que c'est vrai? Bonne question. C'est pour ça, est-ce que je pense qu'il vaut mieux reloger tout le monde, enfin en tout cas, les cibles. Bah, c'est qui les cibles? Et il a personnellement parlé de moi, de Pierre et de Alice. Alice? Tout à fait. Elle est où là? Elle est en train de rentrer en voiture. Tu vois qu'il prend son téléphone direct. Elle est un peu bourrée, hein. Je préviens. Et tu vois que ça décroche et tu l'entends hurler t'es où? Et t'es où? Et tu vois qu'il te regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Et il écrase son téléphone. Et tu vois qu'il te dit vous l'avez laissé repartir toute seule. Elle a pas tellement voulu m'accompagner. Pourquoi vous êtes pas rentré avec elle? Putain. Elle est partie sur le territoire ventru, putain. Pourquoi faire? Pourquoi aller là-bas? Attendez, tu vois qu'il. Elle est folle aussi. Passez-moi votre téléphone, s'il vous plaît. Bah, je te passe. Tu vois qu'il prend un téléphone, qu'on pose le numéro. Irene. Tu me dois une grande faveur. Va récupérer Alice. Allez au niveau de la porte d'Italie. Vas-y maintenant. Tu me la dois. C'est ça la meuf. Tu la fermes, je veux pas t'entendre. Ok. Et il raccroche. Elle a cru bon de vouloir venger son mec. C'est
c'est dangereux pour elle, hein, même vis-à-vis de moi. Hein. De me désobéir comme ça. Hein. Ce qu'elle veut, hein. Elle est pas censée. Bah dans ce cas, il fallait rentrer avec elle. Je suis pas babysitter, moi. Moi, je suis Sénéchal. Et moi, prince. Voilà. Donc, je me débrouille pour qu'elle rentre en vie. Ça a vraiment été une soirée de merde. C'est ce que vous. Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, moi, je vais y aller. Oui, moi aussi. Il y a eu personne qui est rentré. Enfin, si, il y a une. Les trois là, et puis une autre femme là, mais. Elle est venue se présenter, je lui ai dit qu'elle pouvait se casser. Une rousse. Ah. Comment elle est... Ah. Bah, elle était rousse. Oh ouais, mais ça m'intéresse. Bah, j'ai tout ce que je me souviens, c'est qu'elle était rousse. Vous avez son nom, clan, etc. Non. Moi, je lui dis, voilà, je viens de me présenter. Je dis, ok, c'est bon, casse-toi. T'aurais pu être la dame de Noah ou peut-être quelqu'un d'important. Bah, après, je sais pas, on me met pas au courant, donc je sais pas qui je dois attendre, moi. Vous savez qu'elle doit arriver. Bah, ouais, mais je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas quand elle va arriver, je sais pas comment elle est, je sais pas qui elle est. Alors, posez des questions quand les gens arrivent. Bah ouais, mais bon, vous m'avez mis Sénéchal et puis après vous êtes passé à la fête. J'ai pas eu d'ordre ni de quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais moi? Et bah maintenant vous en avez. Quoi? Et bah maintenant vous en avez des ordres. Bon, j'ai la sensation que ça va pas le faire. Au moins savoir si ce qui arrive dans notre ville. Comment vous voulez que je sache ce qui arrive dans la ville sachant qu'il y a personne ici? Bah, y'a vous! Bah, ouais, mais oui, bah, oui. Pierre, qu'est-ce qui se passe en ville en ce moment? Non! Savoir ce qui arrive en ville, ce qui est, les personnes qui arrivent en ville, dans notre ville, les nouveaux arrivants. Bah, ils viennent, ils se présentent. Ils viennent vers vous, ils se présentent, ou vers le Sénéchal. Voilà. Voilà, bon. Bonjour. Voilà, et on leur donne autorisation ou non de rester ou pas. Et voilà, et moi j'aime bien leur demander 2-3 trucs avant qu'ils repartent. Ça, après, voilà, la prochaine fois, faudra me dire vos directives. Eh ben, maintenant, vous les avez. Bref, je suis allé. Là, moi aussi. Désinvolte, hein. Ah, là, t'as affaire au désinvolte. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, il t'aura les gens laissent, moi. T'avais l'autoritaire, et là, t'as le désinvolte. Et tu vois qu'il se barre, et il se barre avec Pierre. Il attrape Pierre par le pied, il le traîne. Vous allez où avec lui? Avec moi, chez les Brujas, pourquoi? Étant en danger, je sais pas si c'est une bonne idée de. Déjà, les rassemblements de vampires, je sais pas si c'est une bonne idée, vous voyez ce que je veux dire? Bah, on est plus fort ensemble que séparés. Hein. Ouais. C'est comme vous, quand vous avez volontairement protégé votre ami, vous avez préféré un. Que tous. C'est là où vous avez vu la fragilité du truc, comprenez. Après, si vous voulez le prendre, je vois qu'il lâche la jambe. Et c'est à vous. Je sais pas où vous allez, je sais pas ce que vous faites. Quand vous voulez. Non, prenez-le. Par contre, pour la chasse de sang, comment ça se passe? Vous voulez que je nomme un héros? Vous voulez pas l'annoncer? La chasse de sang? Quelle chasse de sang? Je compte faire une chasse de sang sur le lieutenant Henri. Je vous ai pas. Sauf que vous m'aviez dit que c'était un humain. C'est interdit. On n'a pas le droit de chasser un humain. Les chasses de sang se font que sur les vampires. Et les ghouls. Et je ne peux pas demander la tête d'un humain. Pardon? Je ne peux pas demander la tête d'un humain de l'Inquisition. Bah, vous pouvez, mais bon. C'est comme demander d'aller pêcher sur le soleil, quoi. Ben, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez que je passe le mot, je passerai le mot, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont se bouger le cul pour aller le choper. Hein. Non, pas bah, laissez tomber. C'est étrange hein, en ce moment. Oui. Et la mort arrive. Quoi? Primogène Brujas, vous verrez.
rien compris. Depuis le début de la nuit, je ne comprends rien. Mais tout va. Et tu vois qu'il se barre avec Pierre, en train de le traîner par terre. Non, très bien. Et t'entends juste Pierre qui dit non, je veux rester, le carrelage il est bon. On va laisser se remettre un peu. Je vais aller dans un autre hôtel, moi. On va aller au crayon. Oh, okay. Ça, je pourrais comparer. Donc, tu vas où là? Au crayon, c'est un autre grand hôtel de Paris. Ok, donc tu vas là-bas. Il est très tôt. Il est à peu près ouais, 5-6 heures du matin. Oh, donc, pareil que la dernière fois, faux nom, suite. Ok. Donc ils donnent la chambre, faux nom. Ils vont vite se rendre compte que c'est un faux, car sur ta carte bleue, c'est le nom bien marqué VP. Mais voilà, après tu vois qu'ils vont pas chercher plus rien, donc à ta suite, tout ça, tout ça. Et pendant ce temps, Noah... Ah, je t'ai bien. Noah, ouais. Ah, si, j'ai une idée après. Alors, Franck, déjà, je pense que c'était bah, pire qu'un appât. C'est le shérif qui t'en veut. Moi, je repartais pour retourner dans le. Chez les Bruges. Au final. Je présume que tu prends le métro. Des céréales après. Tout ça, tout ça. Les chocos trésors. Oui. Pour Bibi. Donc, dans le métro, t'es dans le métro, tranquillou, tout ça, tout ça. T'arrives, tu passes sous la terre, hein, métro, un vol, hein, classique. Il fait tout noir d'un coup, tu vois. Oui. On dirait qu'il y a une panne de jus. Juste un peu, tout à fait. Mm-hmm. Donc, je sais pas ce qu'il va faire de toi. Elle est là. Oh non. Non! Devant moi? Ouais. Dans le même wagon, quoi. Elle est assise un peu plus loin, mais elle est dans le même wagon. Je vais me lever, je vais aller m'asseoir devant. Tu vois qu'au moment où tu te lèves, elle te dit, elle te fait juste. Oh là là. Ok. Je vais me rasseoir et je vais la regarder. Tu vois qu'elle se lève. Tu vois qu'elle a son paquet de cartes en main. Oh non. Deuxième tirage. Elle a une carte dans la main par contre. Oh, tu vois, tu sais, elle a genre le paquet là et elle a la carte entre les doigts. Et elle te l'attend. Je la prends. Et tu la regardes. Et lance-moi un des. Je demande des faux papiers, tout ça. Putain. Fais chier, Henri. Fais chier, Henri. 7h30 de live, hein, tout va bien. Tu as. Le pendu tourné à l'endroit. J'ai noté. Attends. Tu vois qu'elle mélange les cartes, tu vois, toujours avec une main. Ah, j'ai pas de stylo à porter. Elle te remet une autre carte. Au secours. Encore un des mains. Ah, attends, pendu à l'endroit. C'est ça, à l'endroit. Hein. 17, ouais, putain, il va me chercher plus encore. Pendu à l'endroit. Ok. Tu as. Merci d'avoir. L'étoile. L'étoile. À l'envers. À l'envers. Sachez que c'est important, hein, ça veut vraiment dire des trucs. Encore un des mecs. Même la première prédiction, n'hésitez pas à la revoir. On va faire 1 ou 2, non, 17, 14, 20. Ah voilà, bah oui, carrément. Oula. Bah, hey. Tu as le jugement. Oh là là. À l'endroit. Elle tire une autre carte. Attends, moi j'ai la prédiction directe. Un des 20 encore. Pendu en droit, étape en vert. 21 là, je me casse la... Ouais, 12. Tu as déjà fait 12. Tu as déjà cette carte en main. Donc je relance un des 20. Ouais, s'il te plaît. 15. Le mec va pas en dessous de 10 quoi. Par contre, quand il s'agit de faire des échecs spéciales, là il y a du monde hein. Ah. Putain, t'as fait 15. 15, 15. C'est quel carnage? C'est le diable. Oh, à l'envers. Oh putain, sa mère. Tu vois qu'elle te regarde. Ça c'est Henri. Elle tend la main. Pour tu lui rendre. Non pas pour. Lui rend ses cartes. Elle les reprend, elle les hop, les mélange, elle les remet à sa ceinture. C'est quoi cette prédiction, faudrait que j'aille voir. Bon courage. Ah oh, putain. Je vais l'achever. Là t'es pas reparti avec lui, primo. Je fais ce que je veux. Oui Franck, je pense que c'était ta prédiction, hein. Même s'il y avait un peu de l'impératrice. Ah oui c'est vrai, l'impératrice. Ça fait de la merde.
ça ouais. Pourquoi? Pour une grosse merde qui va déjà mourir. T'as l'air bien au courant de son sort. Tout à fait, et monde à l'endroit. Dark Panther parle beaucoup. Dark Panther. Il y a 4 cartes. Elle ne parle qu'à ceux qui écoutent. Monde à l'endroit, la dernière. Parce que l'ordre a un je sens aussi. Je sais que tes prévisions sont souvent exactes. L'ordre a un sens. Dans la prédiction. Passé, présent, futur. Alors, celle qui arrive. Conséquence. Est un peu... funeste. Hein. Trop. Sombre. Un peu funeste. Par toi. Ouais. Quelque chose arrive. Je te le dis, un souvenir du bon vieux temps. À quel point tu étais minable. Tu étais un humain. Et un peu moins quand tu étais un vampire, quand tu es un vampire. Maintenant, je ne sais pas. Tu m'as jamais aimé. Bien sûr que non, je t'ai jamais aimé. Tant bien, c'était réciproque. Tu as toujours été trop tendre, trop prévisible, trop sûr de toi. Ce qui t'a valu de te faire casser la gueule. Bah, elle aussi, elle se casse la gueule régulièrement. J'avais tiré des cartes à ce Brujas. Je lui avais dit où trouver Jackal, avec qui il serait et surtout que faire. C'est fou à quel point quand les informations vont très. Donc c'est toi qui lui as dit de me casser la gueule au final. Non, ce sont les cartes. Je lui ai juste dit que les cartes avaient dit que il allait devoir te casser la gueule pour avoir ce qu'il voulait. Et ça a été le cas, n'est-ce pas? Bien sûr, comme à ton habitude, t'as très bien su dire ce que les cartes y voulaient pour qu'elles fassent ce que tu veux qu'elles fassent. Je ne modifie jamais ce que disent les cartes. Si les cartes parlent, alors elles parlent. Si elles ne veulent pas parler, je ne parle pas. Bien sûr. C'est toi qui vois. Quand tu comprendras ce jeu, tu verras le potentiel qu'il dégage. Et pour l'instant, contente-toi juste d'aller te faire des putes. Ça te donnera du sang gratuit. Il est connu pour ça maintenant. C'est pas pour ça. Non. Ah, et au fait, l'ange te regarde. Oh là. Je vois qu'elle sort une autre carte. Un peu spéciale celle-là. Toute blanche. Un ange. Et tu vois qu'elle a colorié deux yeux jaunes dessus. Oh putain. C'est Henri. C'est Henri ta mère. Bien. Tu vois qu'elle regarde derrière toi. Je me retourne pas. Tu vois qu'elle regarde, elle quitte pas les yeux. Il est là. Mais je continue à la fixer. Très bien. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se... Là, tu vois. Je sens qu'il y a une lame qui s'est mise sur ta gorge là. Oh, putain. Et tu vois juste qu'elle te sourit. Marc. Tu vois que tu repasses dans un espèce de tunnel où il fait tout noir et elle disparaît. Et t'entends juste on va se parler toi et moi. Et on va s'arrêter là. Oh non. Pourquoi chaque fois c'est sur moi? Oh non. T'as rien eu la dernière fois, ceux-là, là. T'as rien eu. Ah, je suis pas sûr que ce soit. Non, c'était un clochard en fait qui passait, c'est tout. Mais non, mais c'est Henri, c'est sûr, les yeux jaunes, tout ça, c'est Henri. Non, la prévision, la carte, oui, mais celle qui est derrière moi. Celui qui est derrière lui, on sait pas qui c'est. Hein. Il avait pas les yeux jaunes, c'est pas lui. Non, c'est pas qui est derrière. C'est la carte de l'ange qu'elle m'a fait voir, la dernière carte qui a les yeux jaunes. Ouais. Et celui derrière. Celui derrière, c'est peut-être Marco. Ouais. Non, moi derrière, moi je dirais Irene qui vient me chercher pour faire sa faveur, aller aider Alice. Bah, c'est pas toi Alice. Non, mais elle va peut-être avoir besoin de moi. Elle va pas y aller toute seule si elle a quasi ici en bas. Je sais pas. Et comme je lui dois une grosse faveur. Tu lui dois une faveur et elle vient te sauver. Ce serait bizarre, non? Mais non, elle vient pas me sauver. Elle vient me chercher pour que je vais sauver Alice. Ça c'est ce qu'il dit, hein. Moi depuis tout à l'heure j'ai pas parlé, hein. Moi je laissez moi tranquille. Non mais moi c'est ce que je pense là. Ouais, que... ouais. Je pense pas. Ou pas ça en tout cas. Ah y'en a qui sont pas bien là, vous êtes en PLS hein. Vous avez morflé. Putain, bon on a morflé, hein, je te rassure.
Ah, Pierre bah, a morflé tu... aussi. Ah bon, Pierre, tu l'as violé, le pauvre. Toi, il faut... Toi, tu baises rien qu'avec ta bête. Eh ben, qu'il soit prêt pour la prochaine fois. Qu'il se remette. Il va se mettre en accident de travail. Il va venir me voir et me dire « MJ, écoute, je suis un PNJ. Mets-moi un arrêt de travail, je suis fatigué. Tu me payes pas assez. » Sauf qu'il a aimé ça, le coquin. Bah, il a aimé, mais arrive à un stade où c'est un peu compliqué de gérer quand même. Aïe, aïe, aïe. Parce que ta bête, elle a quand même bien fait le taf, hein. Elle l'a tué. Là, il va rester comme ça jusqu'à demain. Hein. Ah putain, bah écoute. Vous avez réussi à l'avoir, écoute. Hein. Très content de me voir en tout cas. Après oui, pour les cartes de tarot, ce sont des vraies cartes. Ouais, des vraies prédictions. C'est des vraies, elles donnent des vraies choses, donc à vous de les chercher, selon comment c'est tourné en fait. Mm. Et à chaque fois, c'est une personne en particulier, donc... On m'avait envoyé sur le tarot. Tu pourras me renvoyer. Comment ? Ah, j'ai noté là. J'ai un mirage, je retrouve plus le site avec les cartes de tarot et les explications pour moi voir ce que ça veut dire. Ouais, Ouais, t'as tout ça. Donc après, il faut savoir que le tarot, c'est que pour la personne qui se fait tirer les cartes. Après, c'est pas forcément que sur elle. C'est, il peut arriver des événements extérieurs, tout ça, machin. Mais c'est qui vont le concerner, lui. Donc c'est ce jeu de cartes-là. Mmh. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça avait l'air assez funeste, celle de Noah. Je... Wow. Ouais, celle-là, c'est CG. C'est pour ça qu'en plus, j'ai pas trafiqué le jeu. Mmh. Donc, je sais pas si on voit bien, tout ça. Par exemple, hop, l'impératrice. Bon, ouais. L'impératrice, c'est celle-là. Attends, toi, t'as eu quoi comme... J'ai eu le pendu, l'étoile, le jugement le et diable. Le diable. Alors, je vais te dire ça. Ah, même non consentant, je pense que ça marche. Ce serait la prochaine à me faire tirer les cartes. Hein. Non, donc le pendu, c'est celui-ci. Je sais pas si on voit bien. Si, il est beau. Bah, il a l'air très beau le jeu d'ailleurs. Voilà. Ensuite, t'as eu. L'étoile. L'étoile, je te la trouve, elle est magnifique. Ah ouais, j'avoue. Mmh. T'as l'étoile. Après, j'ai eu le jugement. Le jugement. Hop. Le jugement aussi fait peur. Je sens que cette carte, elle pue le cul. Ouais, j'avoue. Et le diable en dernier. Ouais, à l'envers. Ça me rassure vachement. Ça va être sympa, ça. Ça va être très sympa. Vous allez voir, ça va être même très très sympa. C'est avec ça que je fais mes prédictions et après je peux savoir ce qui va vous arriver. C'est bien pour faire un scénario, ça. Pas bête. Pour faire un scénario, tu fais ça, hop, et t'as un scénar. Ouais, c'est dans D&D, c'est Ravenloft qui marche dans ce système-là, avec un jeu de cartes pour faire les scénarios. Oui, le Taroka. Mm. Ouais, c'est ça. 10, 11, 12, en plus c'est des chiffres romains, putain. C'est à cause de ce tarot là que je les ai appris, ces putains de chiffres de merde. Hein. Non, je connais tous les chiffres, je suis un génie. Et après, tu avais celle-ci là. Ça, c'est la dernière qu'elle t'a fait. Hop. Où elle l'a dessiné. L'ange, quoi. L'ange avec les yeux. Il y a Fibre Tigre en live. Elle a juste mis deux points jaunes dessus. Sur de l'e-sport. Moi en fait ça va, j'ai eu les 5 cartes en fait du coup. Parce que Tampon avait eu que les 4 cartes. Il n'y avait pas eu la 5ème. Oui, parce qu'elle a gardé la dernière pour elle. Oui, toujours. Justement pour anticiper ce qui allait se passer. Au final, tu vois, elle m'apprécie peut-être un peu plus vu qu'elle m'a donné toute ma prédiction. Bah, elle t'a dit quelque chose, hein. Maintenant, t'étais pas tout seul. Elle a regardé derrière, t'as voulu jouer la carte du nom, je te crois pas. Ah bah oui, bah... Je le savais en plus que t'allais pas y aller. Après oui, c'est ça Zul'jin, il y a certains, les cartes permettent de mettre des points clés à droite, à gauche, genre il va se passer ça, ou alors ça sera lui, ou alors ça va se passer comme ça. J'ai pas hâte de voir mon tirage, c'est pas mon tirage. Après ça va, j'ai pas été vache parce qu'à la base, normalement, Alice se faisait enlever par l'Inquisition. J'ai eu peur. Franchement j'ai eu peur de ça. Ah oui. Mais j'ai eu peur de ça à un moment, hein, putain. Ouais, j'ai failli, mais je me suis dit... Déjà qu'elle a du mal à gérer Paris, donc si là en plus elle a ça, la merde. Les Toréadors ils vont péter un boulard.
J'ai juste dit qu'elle avait voulu faire vendetta parce que son mec s'était fait péter la gueule. Ouais, c'est vrai, j'aurais dû me douter. Et le pauvre Franck, casse les couilles, quoi. Putain, tous ces brujas là, qu'il faut qu'à leur tête. Maintenant, il va me rester plus que Jackal, je vais en faire ma marionnette. T'as déjà Marco, hein. Ah oui, non mais c'est... Vous savez, c'est... disons que quand je fais un jeu de rôle, tous les persos qui soit ils se battent, ou enfin qui meurent pas, quoi. Enfin qui meurent pas, pour ainsi dire. Et je les attrape et j'en fais des PNJ. Les PNJ, soit qui vont vous aider, soit qui vont vous niquer. Voilà, c'est pas... Ah oui, je le dis, il était téléphoné celui-là, je me suis dit, est-ce qu'ils vont le voir? C'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'elle va, elle va la laisser partir? Bah, je me disais aussi, mais je me suis dit, elle va pas être assez con pour aller se mettre en danger, bah si. Elle est bourrée, hein. Elle est bourrée. C'est rare pour un vampire d'être bourré. Généralement, quand ils sont bourrés, les vampires, ils deviennent fous furieux, c'est con, vu qu'ils n'ont plus l'habitude. Ah, ils cassent les couilles, ces brujas. c'est des brujas, hein. Elle a pris ça comme une provocation, hein. Elle a pété un boulard. Hein. C'est juste que dans la voiture, elle était toute seule en fait. Disons que l'alcool a commencé à baisser. Et là, bah, elle a commencé à penser à bah, Anthony, ce qu'ils lui ont fait, tout ça, tout ça. Elle a pété un boulard. Et let's go, on va aller là-bas, on va leur casser la gueule. Oh, sauf que, ouais, non, il y a Aerin qui a intercepté Alice. Mais ça va, ça va coûter cher. Hein. Enfin, bah non, ouais, après, oui, elle aura plus de faveur. Mais putain. Je peux vous dire qu'il y a deux voitures qui sont foutues. Hein. Alice encore, ouais, Alice encore. Bah encore, c'est une voiture récente, donc elle peut faire réparer ou acheter à peu près la même. Celle d'Airine, par contre, c'est pas pareil. Elle a une, c'est une quoi? C'est une Ford Mustang 1967. Ouf, ouais. C'est une 67 ou 69? Attends, non, je crois que c'est une 69. Ouais, une 69. Moi, je m'y connais pas en voiture, alors là, faut pas me demander. Putain, je veux la même voiture. Je lècherai cette voiture. Du pneu. La Charlize Theron des voitures. De ouf. Tu me mets Charlize Theron dans cette voiture, je meurs. Direct. J'attaque. Eh bon, je vois que vous avez l'air d'être fatigué. Donc, on va vite. Non, mais c'était trop bien. Moi, j'ai grave kiffé en tout cas. Bon, ça va. Bon, alors. Bah, triste que Chris soit parti quand même. Chris, bah oui, bah c'est oui le D2 qui a fait que bah, soit il part, soit il reste. Tant pis. Je me suis dit je vais pas le faire parce que non après on va me dire ouais mais c'est toi qui l'a fait partie et tout les beaux gosses. Non non, fais deux. Comme ça on pourra pas me dire. En plus ça va, t'as eu du beau gosse. Ah super. En train de plus je lui ai mis des beaux gosses partout. Elle a vu flou direct. Ah j'ai vu flou mais maintenant je dois me concentrer sur un en particulier. Passe à Noah, je suis pas prête. Après m'a dit ça j'étais mort alors que putain. Non stop, elle me dit ouais mais j'ai pas de beau gosse et tout. Vous avez gagné un quand même dans le tas. Elle a eu que ça wesh, elle a pété un plomb. Non mais j'ai ça, je suis contente. Ouais mais après t'es pas resté à la soirée. Non mais je suis partie tard hein, 4h 4h ouais, mais elle avait prévu une surprise en fait, c'est pour ça qu'elle était dégoûtée. Ah oh, pauvre chopette, il fallait c'est me pour dire ça. Mais c'est une surprise, elle allait pas te le dire. Bah vous fallait... faire comprendre autrement. Pas. Bah non mais ouais, me dire mais... rester parce qu'il y a quelque chose de prévu, enfin tu vois, je sais pas. Bah ouais, mais tu voulais pas. Elle a pas voulu forcer le truc. Donc je te dis qui étaient les surprises, hein. Ah, il y avait des personnes en surprise, d'accord. Ah, ouh. Ah, super. Ah, ouh. Ah. Ah, oups. Ah. Et la dernière, elle est où? Ah merde, j'ai perdu quoi. C'était pour chanter ou quoi? J'ai peut-être pas mis dans le bon truc. Et ils chantaient ou c'était des calices? Ouais, non, ils chantaient. Ah, cool. Ils chantaient et en fait c'était des ghouls. Ah, elle est là. Le clou du spectacle. Ouh. Donc il y avait toutes ces stars en fait qui allaient chanter en ton honneur, mais t'es parti, la Toréador elle a fait une dépression là, je te le dis. Ah, ouais. Toréador, elle est inconsolable, tu vas pas l'avoir pendant quelques semaines. Ah bah écoute, non mais là il y a trop de trucs à Paris aussi. Hein. C'est Paris, hein. Donc t'avais toutes ces chanteuses et chanteurs qui dansaient, enfin qui chantaient, dansaient pour toi. T'aurais même pu en pécho, hein. Ouais, non mais là mon objectif surtout ça va être de faire un calice ou une goule à la police, là, que je puisse surveiller Henri. Ça tombe, il travaille même plus. Hein. Ouais, mais bon, au moins j'aurais peut-être un dossier, un truc
Savoir qui est papa, par exemple. Non, papa, évite de savoir qui est papa. Oui, papa il est pas là, il viendra pas parce que papa il est surpuissant. Et si papa il vient, il vous éradique. C'est papa, c'est le, on va dire, c'est le shérif version humain. Bah ouais, mais bon, on risque de s'en prendre à Fiston, hein. Après oui, non mais lui Fiston, peut rien faire. Hein. Il est déjà au sein de l'ordre de Léopold. Ah, le pire c'est Dieu le dit, quand j'ai vu vos têtes, oh je me suis régalé. Josie, j'ai vu vos têtes sur la cam en mode... La traîtresse. Oh la... Sale pute et tout, je me suis dit celle-là, je vais leur sortir, ils vont voir flou direct. Eh ben bravo, moi j'ai juste coupé le live et puis je reviens pour le débrief. La même. Ouais, pareil, bon, de toute façon, moi y'a personne. Hein. À tout de suite. Moi c'est pareil, ils sont plus que deux. Ouais, personne. Bah écoutez, gros bisous tout le monde, ça m'a fait super plaisir. Alors, il n'y a pas grand monde à raid, je vais pas vous mentir à cette heure-ci. On a du Grounded. Je sais pas trop ce que c'est. Du Pokémon Trading. Bof. Eden of Zelda. Je sais pas du tout. Non. On va aller voir du Dead by Daylight. Des bisous, Zul'jin. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Hein. Vous êtes vraiment. Vraiment gentil, hein, parce qu'il est très tard. Un petit inia. Ça. Hop. Bah oui, c'est normal. Moi aussi, je vais aller faire dodo. Je reparle vite fait avec les garçons et puis toto. Faites des gros bisous à un petit inia. Un petit na, pardon. Et je vous retrouve demain. Je sais pas à quelle heure, je vous avoue. Peut-être que l'après-midi, je fais une pause, mais en tout cas, le soir, je serai là. Pas de problème. Tu vas voir, peut-être l'après-midi, je ferai une sieste. Je vais pas vous mentir. Gros bisous tout le monde, en tout cas c'était trop cool et j'ai enfin Pierre, yay! Gros bisous tout le monde, à demain!